Offrez-moi un sub SVP, mais paye-le toi-même, mec, là. Arrêtez de faire vos mendiants, là, s'il vous plaît. Franchement, on n'est pas devant la Micaline, ok? Respectez-vous. C'est tout. Vas-y, Overin, on t'attend. Non, je déconne. Oh, je peux même pas plaisanter avec lui, de toute façon, après, il part au quart de tour, ça. Bon, il était bien drôle, quand même. Elle était drôle, cette game. Dommage qu'on l'ait perdu. On a perdu? Merde, on a perdu. Fait chier. Bon, les amis. Eh, j'ai vu des trucs sur Ready or Not, là. Genre, apparemment, il y aurait eu des mises à jour. Mais je sais pas s'ils ont mage la difficulté. Pff, il est... Je parle. Je pense qu'il m'écoute. Je vous lis le dernier message que vient de m'envoyer à 17h24 Yayo. Salut sur Ron, il y a des nouvelles maps de malade, nouvelles armes, les bots encore améliorés. Par contre, pour le niveau de difficulté, je sais pas. Ouais, mais ça me fait chier si c'est trop facile, quoi. C'était tellement bien de saigner le jeu jusqu'à 4h du matin pour des missions difficiles. Hello, everybody! No, I'm kidding. That's not my voice. Can we ban Villa? Thank you. MDR, OMG, match direct. Ouais, il y a des nouvelles maps, mais non, pas de news sur la difficulté, je crois. Mais la map hôpital est top. Ouais, mais bon... La difficulté, moi, ça m'a tué de l'envie de jouer au jeu, quoi. C'est quand même cool d'avoir une difficulté qui... Le dernier échelon de la difficulté... Quand t'arrives à intégrer des niveaux de difficulté dans ton jeu, c'est quand même génial. Parce que dans les jeux multijoueurs, tu vois, le niveau de difficulté qui augmente, c'est le matchmaking. C'est le système de ranking. Qui amène le meilleur et qui amène le pire, surtout. Alors que là, du coup, ça peut pas amener le pire. Pourquoi l'enlever ? À cause de la frustration créée parce que certaines personnes n'arrivent pas à avoir le S. Le S, c'est la perfection. Le S, c'est la perfection. Et puis, par définition, dans un jeu, tu peux pas donner une note de S dans un jeu comme ça si l'un des mecs de l'unité, il a pris 2 bastos. Quand bien même ce serait dans le bras, tu vois. Et que le mec, au final, il est rien. Il est blessé. Donc, tu donnes pas le S. C'est tout. Scat les pulls, ils sont stylés. Ouais, ça arrive bientôt, les amis, le shop. Hein. Désolé, avant, on voulait faire du Made in France. Et on était passé par Nice Shop, là. Panoply. Et puis, ils nous ont un peu largué. Bon, parce qu'ils font plus de... Ils font plus de merchandising on demand. Donc, ils nous ont dit ça à début juillet. Et puis je m'y suis pas mis, donc maintenant on va repartir sur Teespring et au moins il y aura des interactions, il y aura les alertes qui seront sur le live. On est en train de gérer ça. Il y aura le truc sur lequel les gens pourront voir les merch directement sur Twitch. Ça apparaîtra en dessous de chaque vidéo sur YouTube, etc., etc. Après les gens veulent se faire plaisir, ils se font plaisir, ils se font pas plaisir, ils se font plaisir, on s'en fout. Mais ce sera plus intéressant parce qu'il y a trop de gens qui viennent nous dire « Ah, il n'y a pas une casquette, il n'y a pas un truc, c'est genre toutes les semaines. » Et ça me fait chier de devoir dire non. Quoi. Alors ça rapporte rien le merchandising. C'est plus pour... Que ce soit là au final, ça rapporte vraiment rien. Merchandising en 2021-2022, en moyenne, ça rapporte 13 euros de revenus par mois. Brut. À pas devenir milliardaire. Hein. Surtout pour le froid de canard qui nous arrive, les pulls sont plutôt les bienvenus. Alors celui-là, c'était Spreadshirt. Je sais pas si ce suite, il est incroyable de qualité. Je l'ai depuis 5 ans. Il est incroyable. Il est vraiment trop bien. Il est bien. À l'intérieur, il est doublé, là. À l'intérieur, il est doublé en une espèce de polaire, là. Il est trop chaud. Il est trop beau. Il tient bien au lavage. Il bouge pas. Voilà, c'est des trucs tout cons, mais la taille est bien. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, comme quoi, faut le dire quand c'est bien aussi, quoi. Et là, c'était ça. Et le problème, c'est que là, on va chez Teespring. Donc, je peux pas vous dire, les mecs, va falloir que je me fasse une vente pour moi. Je vais m'acheter des merch et je pourrais vous dire au moins, les mecs, nos t-shirts ils sont bien, les casquettes en revanche, peut-être pas, ou l'inverse quoi. Bon, foirer des casquettes c'est quand même chaud en règle générale, mais foirer des t-shirts ou foirer des pulls, c'est monnaie courante.
C'est fabriqué en Chine, non? Ouais, c'est possible. C'est fort probable. Reloading! One left side of the window, bro. Very low HP. Wait, Zofia. The diffuser is no longer in your possession. Oh, mec. There is no one elevator. Wait, I can drone. Vas-y, mais c'est quoi ces gold là? C'est moi qui l'ai eu? Non. Ah non, caméra distraite. Oh, ça aurait été le plus beau flic au drone de l'histoire du drone, quoi. Wait. There is no one. On mapping. Friendly, last operator standing. Vas-y, putain! Vous êtes cons comme des bites là! Oh là 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 là! Ça parle pas! Tu vois, ça, c'est les games, j'ai pas envie de les jouer, quoi. J'aimerais bien pouvoir les esquiver direct. C'est pas du FF20, tu vois. Mais il y a genre zéro possibilité de le gagner, c'est impossible. À moins de sortir encore une grande game où tu sues du cul et tu fais 2 kills et demi par round, quoi. Et bordel, c'est pas mon rôle, moi. M'énerve, ça. Scat, un pote a perdu sa game du diable, il a pété son écran en caméra Discord, MDR, un big rageux. Est-ce que t'as le... Tu l'as le... T'as pas l'enregistrement de ça? Qu'on le mette sur YouTube? Ah, franchement. Franchement, je vais rien dire. Je vais rien dire. Je vais bien fermer ma gueule. Pour la simple et bonne raison que... Quand j'avais entre... Je sais pas. Entre 16 et 25, là. Waouh. Heureusement que les écrans étaient cathodiques. Hein. Heureusement que c'était ta main que tu pétais quand tu tapais dedans. Alors j'étais assez intelligent pour pas casser les trucs chers, tu vois. J'avais pas un radis. Donc j'allais pas casser un clavier ou une souris, tu vois. Mais j'avais une chambre en bois. Avec des portes en bois. Ah ouais, j'aurais pu passer dans les trucs enquête de je sais pas quoi là. Vis ma vie de gros rageux, quoi. Vis ma vie de fils de pute sur internet. Hein. Oh, qu'est-ce que j'étais énervé. Qu'est-ce que ça m'énervait de perdre. Incroyable. Et du coup, j'ai changé. Maintenant, j'ai décidé d'être le meilleur. Wow. C'est plus simple. Alors, pour vous, c'est compliqué, je sais, parce que c'est impossible, mais... Vous savez ce qu'il vous reste à faire. T'en penses quoi de la map labo de Night Haven? 7 sur 10. Vas-y, j'aurais bien essayé de faire un truc du genre, rentre là. Stop dying one by one! I can drone for you! Fucking... Ah merde, non c'est bon. Vas-y, mais vous êtes cons comme des bites ou quoi? Je vais me prendre un gros one tap. Oh, dis donc, toi tu regardes bien vers le haut là. Après, on m'entend marcher, mais. Vas-y, bon, on y va. Ça a rien d'attendre. On meurt vite fait. Autrement, je vais me faire insulter si je la joue. Les gens vont me dire non, mais meurs, s'il te plaît. Ok. Peut-être pas en fait. Wait.
Jump. Plant on B. J'ai regardé ta vidéo sur comment décaler comme un pro. Bah maintenant je décale bien et j'ai de bons moves. Je sais pas si c'est ironique. Parce que beaucoup de nos vidéos sont à prendre avec beaucoup de sarcasme quand même. Moi ça me fait tellement marrer quand les gens partent au premier degré tout de suite là. Franchement putaclic hein, Kameto il va jamais... Oh là là. Oh je rigole dans les commentaires. Mec ils partent au quart de tour là. Ouais alors laisse-moi te dire que... Non. C'est toi que j'ai vu hier soir à commerce. Ouais. Ouais, ouais. En train de vendre du shit. Ouais, je fais ça pour... Pour arrondir les fins de mois, hein, mec. Hein. À commerce. Ouais, ouais, devant Uniqlo. Ouais, 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 ouais. Je vends du shit. Hein. D'ailleurs, il y a moins 10% si t'es sub. Hein. N'hésite pas. Moi, j'ai suivi tes conseils et je suis toujours autant éclaté. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es manchot. Located a bomb. 6-4, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Vas-y, mais t'as rien à branler là si t'as 10 ans, mec. Si t'as 10 ans et que t'es en CM2 à 18h et que t'es là, franchement, arrête, hein. Arrête, c'est fini. Ah non, mais la life, elle sert plus à rien. Tes parents, là, tu me leur donnes leur numéro de téléphone, je les appelle. Hein. Tu veux réussir ta vie ou pas? Bon, bah alors, arrête de regarder Twitch à 10 ans en CM2, mec. Pense à toi un peu. Yeah, you can go. No one behind the server. This guy. Two behind the shield. Oh là 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 qui me voit et moi je le vois pas. Sur la deuxième Bastos. Merci Warsaw.tv. Nouvel étudiant du campus, bienvenue poulet. C'était toi le Québécois tout à l'heure, non? Accepte-moi. Ouais, ça va être ça. 6-4, j'ai 43 ans et je suis au RSA, MDR. Ah mais tu fais quoi de tes journées? C'est ça le truc. Avoir 43 ans et être au RSA, c'est pas si mal, tu vois. Ça dépend ce que tu fais de tes journées. Est-ce que t'as 43 ans, t'es au RSA, tu restes sur le canap, la main dans le paquet de chips et la main gauche sur le joystick? C'est ça le truc. Ton charme est correct, tu viens de me voler 7$. 7$? Mais t'as payé avec ton téléphone, putain mais t'es con. Il y a un charme de Ace en forme de petit chat. Oh bah génial, j'adore les chats en plus mec. En fait, je travaille bien, j'ai de bonnes notes, donc j'ai le droit de jouer. Non, mais jamais de la vie, t'as 10 ans. Mais tout le monde avait des bonnes notes en CM2, les mecs. Tout le monde avait des bonnes notes en CM2. Si t'avais pas des bonnes notes en CM2, tu finis pompier. Ah bah ouais, c'est comme ça, regarde Quentin. Il avait pas de bonnes notes en CM2, tu vois. Voilà quoi. Je te jure, j'ai 10 ans. J'y crois pas. Jamais t'as 10 ans et je te mets et tu mettrais je te jure avec un apostrophe ce qui se faisait dans les années 90. J'y crois pas du tout. T'as pas le droit d'être là à 10 ans mec. C'est 13 ans Twitch. J'ai 43 ans, je te regarde au boulot. Boulot. B-O-U-L-E-A-X. T'es ébéniste? Putain les mecs. Comment voulez-vous après que j'anime un live moi? Il y a 10 ans CM2 et l'autre 57 ans RSA quoi. Comment veux-tu? C'est quoi ma target audience à moi?
C'est quoi mon audience cible? Elle se situe où, tu vois? Secure the bombs. Sérieusement? Franchement, j'ai pas une communauté, c'est l'Arche de Noé, mon truc. Ébéniste, licence informatique. Vas-y, c'est quoi vos métiers là? Balancez les métiers dans le chat. Hein. Elle est trop bien jouée, la petite. Les balles, les premières balles, elles partent trop bien. Commercial, ça veut rien dire commercial. Commercial en quoi? Commercial en pompe funèbre ou en sextoy? Ah. Pareil. Increased surveillance on bombs. On four hazardous. Vas-y, putain, on peut même pas créer du contenu là et faire le mec impressionné par le fait qu'il y a rien qui se passe là, putain. On my ping 3. Last one on my ping. Ping 3. Yep. We have the main camera. Data scientist. C'est quoi data scientist? Putain, je fais 1 kill tout à l'heure, je fais 15 kills, là je fais 1 kill, je pue la merde. En plus, il y a des niveaux. C'est tu as gagné une Pro League. Un mec me l'a dit. Entre autres. Entre autres choses. Plein de choses. Oh, merde, faut pas que je fasse ça, putain. Faut que je fasse comme l'équipe de France, je suis con. Hein. Oui, mais c'était à une autre époque. Le jeu a beaucoup évolué maintenant. Puis à l'époque, c'était vraiment le collectif qui primait. Avant tout. Donc quand on dit tu l'as gagné, c'est pas vraiment moi qui l'ai gagné. Je pense que c'est surtout les 5 personnes qui m'accompagnaient au quotidien et pendant la durée de cette aventure qui l'ont gagné. C'est bon, je sais m'adresser aux Français. Merci Ice Creamy pour les 33 mois. Je le sais le faire. Si je connais Siskat avant, j'en regardais beaucoup tes vidéos, mais je savais pas qu'il avait gagné une Pro League. On était plusieurs. C'est une aventure collective. Bomb location secure. J'ai peut-être gagné une Pro League, mais vous avez gagné mon cœur. Mais il fait quoi lui? Putain, et je. C'est horrible parce que mon sweat.
bouche contre une Mira comme ça là. Wow, il nous a fait un pied point bouche lui. T'es sous l'effet de ta production pour dire des conneries comme ça? Jamais. Oh là, c'est sombre. Oh, le mec qui travaillait sur les lumières, il s'est dit oh merde. Oh, on n'a pas vu le mec qui travaillait sur les lumières. Oh, la couleur du pack. En avant. Quelle est la couleur du pack? Yo, bon live poulet, à plus tard. Merci TheFootX, merci de passer, j'avais même pas vu. Hello 64, pourquoi 64 d'ailleurs? Bonjour Os Edigma. Parce que je suis du Pays Basque et j'aime bien la 1664. Ou pas. Point d'exclamation pseudo. On peut détruire la lumière sur Rainbow Six maintenant. Putain la vache, j'avoue. Ça c'est 100% vert. Pff. Ça c'est 1000% bleu, mec. Merci Footix pour R6NXWI de lui. Rank Sui. De lui avoir offert ses droits de scolarité. Hein. Non, ça c'est pas violet ça. Je sens pas le violet là. La prédiction est en haut de l'écran, les amis. Vous pouvez parier avec votre thune. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Qu'est-ce qu'il y a 7 mois d'abonnement, Rose? Merci, Rose. D'avoir payé depuis 7 mois ses droits de scolarité. Mais fallait partager. Oh là là, le train de la hype approche grâce à Roro Cuisto. 28 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solty Academy. Merci les poulets, vous êtes des monstres. Eh, c'est Noël avant l'heure là. Vous êtes des monstres. Eh, le 24, on fait quoi? Il y a des gens qui vont être dans la loose. Hein. Eh, qui n'ont pas d'amis comme moi. Et pas de famille. Merci Kali. Merci mademoiselle. Merci pour les 100 bits. Merci Overgamer pour Joker 495071 et ses 2 mois de frais de scolarité. T'es un monstre. Est-ce que je peux ouvrir ou pas? Train de la hype niveau 2. Vous êtes des monstres? J'ai mis 1000 sur gold. Mais ça, jamais c'est gold. J'arrête le stream si c'est gold. 3, 2, 1. Eh ouais. Bah... Ah bah c'est vert. Bah c'est de la merde. Oh là 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 là. Oh là là, on dirait le béret pour la chasse à cour. Oh là 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 là. Eh bien, je vais à la chasse au sanglier à Chambord tous les dimanches. God damn it. J'ai dit vert. Mais t'as parié vert ou quoi? Je vais arrêter de t'écouter, Six. Pourquoi? Parce que je suis du Pays Basque. Point d'exclamation pseudo, os. Merci poulet, merci ça fait plaisir. Os, Enigma. Point d'exclamation pseudo. Y'a pas un petit fils de pute qui va appuyer sur point d'exclamation pseudo? Je lui ai dit point d'exclamation pseudo, putain je vais devoir le faire moi-même. Putain la vache. Voilà, bien fait pour vous. Je l'ai fait. Ah merde. Désolé pour le spam. Et merci Hug pour le fait d'être un nouvel étudiant, pour l'exclamation son charme poulet. Bon, attends mais j'ai pas regardé du coup c'est quoi vos métiers? Redites-le. Vous faites quoi dans la vie? Et mettez votre salaire à côté. Que je sache, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Étudiant, salaire 0. 1200 boules. Marin. Et c'est quoi votre salaire? Apprenti, chômeur, 1000 euros par mois. Pff, meilleur boulot ça. Éducateur sportif, SMIC. Et le SMIC va être augmenté de 24 euros. C'est vraiment des fils de pute. 24 euros. C'est vraiment...
ton chien, il a pas mangé depuis une semaine, il va mourir, tu lui files une croquette, quoi. Sympa. Responsable comptable, 6000 euros. Putain, mais je le savais. Mon comptable, il me prend tout, là, ce fils de pute. Militaire, salaire 1500. Non, mais t'as pas fait l'NSOA, I'm joke. Agent de production, 1K5. Jardinier de golf, 1200. Jardinier de golf ? Putain, ça doit être trop satisfaisant, ça. Ils ont les meilleures tondeuses du monde, les jardiniers de golf. Paysagiste, 1800 par mois. Mais t'es pas à ton compte à ce prix-là. Un paysagiste, si ça a quelques clients, ça rapporte bien. Infirmier, 2K. Ouais, non, mais vous faites enculer. Oh là là, j'ai ma pote, ma meilleure pote est infirmière. Oh là, putain, elle se fait sodomiser. Hein. Elle fait des horaires de jour, de nuit, machin. En ce moment, c'est la merde. Au CHU de Nantes, c'est la merde et tout. Elle fait 2K5. Pour ce qu'elle fait, ridicule. Data Scientist, 3K. Oui, en vrai, ce cas, tu devrais plutôt demander le taux d'imposition. C'est le plus fiable pour connaître la richesse des gens. Bah non, mais vas-y, Hans. Tu travailles à l'URSSAF, c'est ça, toi ? Ça doit être trop cool de travailler la terre, sauf l'hiver. Ouais, j'avoue. Moi, ça me changerait en plus. Pendant 10 ans, j'ai travaillé les mers. Travailler la terre, j'aimerais bien. Agriculteur, éleveur de brebis laitières, 3000 euros. Ah, il y en a à côté de chez moi, ça. Ils font du fromage et tout. Moi, j'aimerais avoir un... Et franchement, cet été, j'ai une sorte de révélation. Je suis allé en Ardèche. Et il y avait un accrobranche. J'avais trop envie d'ouvrir un accrobranche. Et d'être le patron, là, de me balader sur ma trottinette électrique et tout. Ça va, tout va bien, machin, truc, bidule. C'est trop cool. Je me disais, mais c'est génial, franchement. Les gens, ils viennent passer la journée là. Ils sont au bois. Ils sont au calme. Les gamins, ils font des activités, etc. Ils se pètent un genou, ils découvrent un peu ce que c'est la vraie vie, tu vois. Ils se prennent des tampons et tout, ça c'est bon, tu vois. Après, ils sont crevés, machin, truc. Ils arrivent, ils dorment dans la bagnole. Vallon Pont d'Arc. De quoi ? Le truc ? Oh. Non, je sais plus. C'était pas en Ardèche. C'était dans la Drôme, exactement. Il me semble que ça devait être à côté de... Oh là là, la ville de la Drôme, là. Montélimar. À côté de Montélimar. C'est à Totavel, ça. Non, mais les mecs, les accrobranches, c'est tous les mêmes. Hein. Accrobranches. Il y a une forêt, des cordes. Et c'est tous les mêmes. Hein. Voilà. Il y en a plein en France. Hein. Et tirer sur les gens avec ses répliques d'airsoft. Ouais, tu sais, quand les gamins, ils chialent et ils sont bloqués. Eh ben, t'avances ou je tire. Pam. Ah, tu bouges. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, ce serait sympa, ça. Faut planter des truffiers, ça rapporte. Et peu d'entretien. Planter des truffiers. Des truffiers. Genre... Attends, genre la truffe, c'est quoi ? C'est un fruit ? Par définition, c'est pas un champignon ? Donc c'est pas un truc qui pousse sur des racines ? Je me suis dit que ça poussait un peu partout, et majoritairement autour des chênes, moi. Des chênes truffiers ? Ah ouais. Oh, je pensais que c'était tout type de chênes, en fait. C'était la terre qui, après... Mais ça se fait dans le sud de la France, ça. Chez nous, on n'a pas ça. Chez nous, c'est des bolets, quoi. Enfin, c'est les cèpes de Bordeaux, quoi. Voilà, quoi. Après, on en a de la girofle ou je sais pas, de la girole, la machin, je sais plus. Je suis pas un expert en champignons, quoi. Mais du cèpe, il y en a beaucoup par chez nous, ouais. De la colmelle, ouais, aussi. Ouais. Un concept d'accrobranche payant à l'heure. Et si au bout d'une heure, t'as pas fini, ça part en airsoft pour que ça dégage plus vite. Ouais, on appellerait ça extrême branche.
Si... Oh putain, mais c'est trop bien ça. Mais mec, c'est un trop intelligent. On le rend un peu jeu vidéo, tu vois. Un peu jeu vidéo. Si tu le termines en moins d'un certain temps, c'est gratuit. Si tu speedrun le truc, c'est gratuit. Voilà. Ground Branch. Le max, c'est 45. Ça n'existe pas, 50%. 50% de quoi ? Parcours FPS. Une sorte de biathlon de l'acrobranche. Oh, un biathlon de l'acrobranche. Où t'es obligé de faire le parcours et tout. Bam, 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 bam. T'arrives à un moment. Let's go ! Ouais, mais faut un mec qui regarde et qui soit là, quoi. Biathlon, ouais, 22 longs rifles avec des gosses. Avec de l'air à comprimer, à la limite, quoi. Avec de l'air comprimé, pourquoi pas. Mais en 22, non, c'est bon, là, tu tues quelqu'un. L'air comprimé, déjà, ça picote. Hein. Tu fais un acrobranche sur des chaînes truffiers. Lol, max de rentabilité. Putain. Ah, mais faut les pousser, tu vois. Faut attendre 50 ans, quoi. Voire même 150. Acrobranche paintball. Ah, je vais faire ça, les mecs. Acrobranche paintball. C'est une excellente idée. Ouais, franchement, ouais. Il faut aller faire un endroit où il fait tout le temps beau, quoi. Tu peux pas le faire à Nantes. Ah, c'est un peu chiant, ça. GG la vidéo Airsoft. Merci, poulet, ça fait plaisir. 8 ans, ouais. 8 ans pour un arbre ? Oh là, gros, ça va. Non, non, non. Franchement, non. 8 ans, qu'est-ce qui est plus rentable en 8 ans ? Qu'un arbre truffier. Un gosse sur le dark web. Ça se loue bien. Ah si. Ah, ça part. Ça part bien. Ça part pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ah si, il y a une grosse demande. Les youtubeurs. Ah ouais. Grosse, grosse demande. Oh, c'est glauque. À Annecy. Ouais, Annecy, c'est la ville qui m'attire le plus, quoi. Je sais pas pourquoi. Tout le monde parle de cette ville, ça. Il y a même option d'achat avec le gosse. Oh my god. D'ailleurs, il devient quoi, Norman, là ? Il est sorti de prison ou pas ? Et c'est quoi ces games où on trouve rien, là ? Putain. Tu as pas les moyens pour vivre à Annecy, 6-4, oublie. What ? C'est combien le prix du mètre carré à Annecy ? C'est si cher que ça, Annecy ? Annecy. Prix mètre carré. Nantes, prix mètre carré. Ah ouais. Nom de Dieu, putain, c'est cher, Annecy. Nom de Dieu! Et Nantes à côté, quoi. Ouais. Frontière suisse, Annecy, donc bon, Annecy. Cher, c'est un euphémisme. Ah, ça va, c'est pas Paris, les mecs. Paris, c'est deux fois ça. Paris, c'est 10 000, 12 000. Les villas autour du lac, c'est au-delà de ton imagination. Ouais, bon, après, il y a toujours des endroits, voilà, quoi. Alors que nous, tu vois, c'est rouge partout, quoi. Oui, il y a du vert. Mais même le vert est plus cher que le rouge de Nantes. Nom de Dieu, je m'attendais pas du tout à ça. Mais faut habiter où, Annecy ? Ah, ça a lancé. On est quoi ? On est... Tout le monde...
monde ban Thatcher. Personne joue jamais Thatcher, mais bon. Et le vert, t'as pas envie d'y habiter. Ah ouais? C'est de la merde? Pourquoi Annecy, il y a des endroits ghetto? En périphérie. Ouais, mais bon, la périphérie d'Annecy, c'est ghetto. Paris, au niveau du jardin du Luxembourg, on est en moyenne à 20K. Et 11K en moyenne sur toute la ville. Ouais, c'est ce que je disais, x2. Là, c'est la moyenne. Hein. Donc moi qui suis pauvre, je pourrais jamais y aller. Ah ouais, Gabi... Ouais. Toi, pour toi, il y a Anceny, quoi. Ouais, c'est pas pareil. T'habites où? Anceny. Annecy. Anceny, ouais. Ah. À côté de la frontière suisse. Il y a des petits Suisses, mais... Viens au Japon, Six. Bon, arrêtez de faire tout ce genre, vous êtes japonais, là. Arrêtez de vous la raconter. Et puis, Japon, franchement... Je sais pas. Franchement, le Japon, c'est un peu surcoté, quand même. C'est bien pour visiter, quoi, mais pour y vivre... Déjà, c'est une île. Faut aimer l'environnement urbain, en plus, tu vois. Ah, la France, c'est quand même pas mal. Hein. Le Japon, c'est bien pour y aller, tu vois. Franchement, ça doit être incroyable de faire un voyage au Japon du nord au sud. Quoi. Moi, je pouvais pas. Quand j'ai fait le tour du monde, je pouvais pas. C'était trop cher au Japon. C'était n'importe quoi. Je suis obligé de prendre des pays accessibles. Et les biens partent en max 2 semaines. Quoi? Au Japon ou à Annecy? Bonjour monsieur le proviseur, salut chat, coucou les surveillants, yo wafer. J'aimerais bien visiter le Japon mais tellement d'autres choses aussi. Bah ouais. Ouais, Japon j'ai pas fait moi. Op4 has located a bomb. Last operator standing. You can solve for us, bro. He did it. Nice, nice. Down to 15 seconds.
seconds left. 5 seconds remaining. Stop piano. Piano. You're out of time. Merci Lovano Doc pour les 6 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Solitaire Academy. Bonsoir TTS Le Monde. Si vous voulez tout savoir, la zone géographique la plus dingue en France en immobilier, c'est Villefranche, à côté de Nice. Que des hypocrites là-bas, à Villefranche. Re, j'ai fini mes devs. Mais arrête tes conneries, Arix, là, arrête. En plus, je t'ai dit, t'as pas le droit d'être là si t'as 10 ans. À quel âge ta mère, Arix? Juste pour voir si ça coïncide avec le fait que t'es 10 ans. C'est important, je pense. Protect the bombs. Ah, je demande. Mais c'est normal de... Après, vous me dites, Siska, tu réponds pas et tout, le chat. Là, je m'intéresse à vous. Oh, je m'intéresse à votre famille, je m'intéresse à l'âge de votre mère. Why tell yourself when... Ah, maman, à quel âge? Pente glissante, y'a que des pentes glissantes ici, c'est un truc pour adultes. Elle a 44 ans et j'ai un frère de 16 ans et une sœur de 21 ans. Ah ouais. Mmh. Alors, il y a... ah, non. 3 enfants. Oh. Op 4 has yet to locate a bomb. Merci pour l'info. Tu te rapproches des 40 de toute façon. Oui, mais je suis youtubeur, donc il faut que je prenne 20 de moins. Je respecte le protocole. Ok. Commencez pas, d'accord. Je copie les plus grands. Leonardo DiCaprio, Johnny Hallyday. C'est normal. Vas-y, on se fait chier là. Pour Meryl à Mother. Meryl, je pense pas qu'il soit hétéro au final. One Babylon. Yep. Where? Babylon. This is Babylon. Oh, oh. Nice, nice. A bomb is located by Op 4. Ping 5. Oh, vas-y, je vais te prendre mettre un one toi. Ils font quoi ces noobs? Yeah, keys on me. Oh, l'ombre. 15 seconds left. Je me suis dit, putain, le pré-shot. Oh, l'ombre. 10 seconds left. Le, 5 le, seconds le. Left. Main. LOL. Merry Christmas. Pas encore. J'ai pas vu. Faux pour le proviseur. Ce sera thank rapporté you. Déformé, bien sûr. Qui veut dans le chat? Qui vate dans le chat? Je peux te ban.
Hello Six, désolé du retard. Tu passes à la vie scolaire, ok? Comme tout le monde. Yo, Jules BD2. Dans ta team, il y en a un, il a la voix de Spoit. Are you Spoit? Yeah, I am. Wait, oh shit. Are you streaming right now? No, I'm not. So you don't even say thank you for the money I gave you? No, I thank you. You know who I am, right? That's fucking six squatters, Spoit, okay? Swapping. I'm on stream. Let's go. Ça se prononce Jules. Rendering bar. Reloading. Op 4, last stop standing. God damn it! Mission failed. All friendlies were eliminated. So how are you doing, bro? We need to do another salty drills so that you can win again and make money, easy money. Spoy, are you gonna win the Siege Invitational? He doesn't want to answer. We're winning. Je suis pas sûr que ce soit lui, je crois que c'est un mec qui fake. Il aurait compris pour les salty duels autrement. T'as encore le compte Bad Wavy? Oh, je pense pas, non. Je pense pas.
ouais, similaire, mais je pense que c'est fake. En revanche, la game est chiante, quoi. Ça dure 3 heures. 10 seconds to go. Stage 1 vitesse. Bah ouais, mais j'ai rien d'autre, frère. J'ai rien sur ce maybe one, yeah, I don't know. Yeah, I'm checking right now. Jaeger. Yeah, yeah, exactly. On that, yeah, on he left, he left. Alright, one blue. There is no one on my on beam 5. Located bomb. Yeah, one of my ping half wall. That's the rook. There is no one piano, no defense piano, it sucks. One in the little closet, ping. I don't know about the volume. Okay, nice one. Yeah, salty. I'm gonna drone out, hold up. Onyx clear. What about Solarium? The diffuser is no longer in your possession. Oh, there's no one back. That's that. Lucy's traps is on upstairs. Yeah, one closet. No cam. I assume one closet. 10 seconds. Closet's clear. 5 seconds left. Rompis la game. Ah ouais, hein. Ah, y'a du level. Y'a Spoit avec sa voix grave. Je vais être obligé de le carrer, quoi. Il me laisse passer devant, quoi. Je suis pas en tri, moi. Need to use your drone to locate a bomb. Il a son charme in-game, Spoit. Sérieux? Proceed to bomb.
bomb's location at the... Alright, where are they? Basement? Oh, there is one top floor going library right now. Just claymore it, no? Claymore it. There are cap cans everywhere. Even at the second floor. That's cap can roaming. He's close to the office. Giving you a call? Yeah. He's on my ping. Ping 5. You can fuck him. Inside the office, he's stuck. No electrification. Alright. Oh, you wanna open and go? C'est quoi ça? Il fait quoi là? One on main stair, a zombie. Seller. Ah, j'ai arrêté. I don't know how that wasn't a headshot. Me? Yeah, I don't know. Yeah, that's far. So, one in the little closet, one rotation, one main stairs, I think. I don't know. I'm too old, bro. I'm not young and beautiful like you. My reflex are bad. Down. I'm gonna try to get in. Oh, okay, wait, it's a 2v2. One's there. The defuser is now secured. Plant bait. Oh, one main. Last operator standing. Still very top library. Stop. Yeah, he jumped. He's main stairs, I think. 15 seconds remaining. 10 seconds left. 5 seconds left. Diffuser is active. Protected at all costs. We have the main stairs. He's pushing. Window. Sorry, bro. Bye. En maintenir ou en activer, désactiver. Activer, désactiver. Comme la légende du aim là, apparemment là. Ah non, moi je suis en maintenir, comme lui. J'ai pas une sensibilité assez élevée. Et j'ai regardé encore un autre truc là qui parlait de sensibilité, etc. Il y a pas très longtemps. On gagne 2 à 3% de précision en ayant 800 DPI. 800 DPI serait le meilleur. Ah ouais, ça me fait chier de le dire. Mais apparemment, ce serait mieux. On va aller prendre des smokes ou quoi? I got some smoke. I might go sense. We need to locate a bomb. I love sense. Cool. Where are they? Drone has located cool, a bomb. Cool. Oh, okay. Why can't we be friend? Why can't we be friend? 10 seconds to go. Tu mettrais combien de 106 si tu utilisais 800 DPI? Bah tu divises tout par deux quoi, grosso modo hein. 5 seconds before insertion. Un truc de genre 6-6-42. Okay.
There is no one in the corner. Yeah, there is one now. That's the one I think. Oh, we don't have Capitao. Still at the top. I can... Tell me if you want to go in, huh? Limping. Bro, I don't know how these are like hits. There's one more. Oh, I'm stupid. No. He's under you. Hatch is open. It's time for Big Brother. Ah, je suis obligé d'être MVP, quoi. Pff, tout ça parce que Spoit pue la merde. Ah, putain, c'est chiant. C'est hyper chiant. Et on va perdre là-dessus. Alors que j'ai bientôt 50 ans, les mecs. Tu mettrais combien de 106 si tu utilisais 800 DPI? Ah bah j'ai déjà lu ça en fait, je crois. Why can't we be friends? One in the closet. Down to one friendly. So this closet. That's right. Top four eliminated all friendlies. GG bros. You guys want to queue after? Bro, you guys want to queue after? You guys are actually... Yeah, I'm just like writing, keep playing as a team. Yeah. Have fun, Gabe. Have fun, Spoit at the 6. Jusqu'à quelle heure le live? On a réunion à 22h. Voilà quoi. Faut pas changer le titre là? C'est quoi le titre? J'ai mis on est en finale. Non, c'est pas ça? C'est ça le titre, non? Si, c'est ça, mais il date pas d'hier. Bah non, on était en finale hier. Axdinx, tu poses trop de questions, hein. T'es trop curieux, mec. Fais le pitre. Dessine des bits dans le chat, ok? Fais plutôt des trucs comme ça, moi ça me fait rigoler. Hein. Ok? Ouais, c'est mieux. Jusqu'à dimanche, on est en finale. Ouais, voilà, jusqu'à dimanche, on est en finale, ok? Après, je mettrai « On joue la finale ». Et après, je mettrai « On est champion du monde ». Ah, c'est quand même simple. Yo, Maz. Merci pour les 7 mois de phrase scolarité, poulet. T'es un monstre. Vraiment. You are amazing. Comment on dessine des bits? Ah, demande à ta mère. Jules. Pendant 4 ans, tu pourras mettre « On est champion du monde ». Grave. C'est mon homme. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur Twitch? Genre des couples qui se sont faits sur Twitch? Des couples sans abus de pouvoir.
Merci minimum pour les 6 mois de frais de scolarité. Hein. J'espère que t'es une nana et que t'es une mère du coup. Du coup la blague est marrante. Minimum. J'aime bien. Autrement si t'es un mec, c'est pas... La blague est foirée. Non. Je suis pessimiste donc je dirais non. Dejna et Oslo. Ah oui c'est vrai. Ah mais ils se sont pas rencontrés sur Twitch tu vois. Ils se sont rencontrés parce qu'ils sont tous les deux streamers, c'est pas pareil, tu vois. C'est comme Momon et moi, tu vois. On a une histoire. La blague est réussie alors. Ah, bienvenue. C'est une mom et elle est pas très grande. Elle s'appelle Minimum. Elle est bien, elle est bien. Attendez, mais j'ai un pack. Attends, mais on les débloque quand même. Attends. C'est quoi la différence avec... Ah, ça tu l'as pas, mais ça tu l'as. Ah, parce qu'il y a le truc jaune derrière. Ils pouvaient pas faire un encadré. Là, il faudrait que le upgrade to premium, il fasse tout le tour en fait. Oh là là, je vais pas leur apprendre. Eh, je suis pas UX designer, mais il y a un truc qui est foiré là-dedans quand même. Bon, je vais pouvoir faire une deuxième vidéo YouTube. On carry spoit et il pue la merde. Voilà. Voilà, c'est vrai. Allez, c'est parti. Quelle est la couleur de ce Bravo Pack? En haut de votre écran, les amis. La prédiction est partie. Les filles de la meilleure amie à ma mère, elle a rencontré son gars sur un live Twitch. La fille de la meilleure amie à ma mère. Elle a rencontré son gars sur un live Twitch. Mais c'était un streamer? Moi, quand le campus était à Paris... Il y avait une nana qui m'avait reconnu parce que je criais trop fort. Du coup, après, elle me laissait des mots un peu creepy sur mes colites. Salut 6-4, bonne journée, petit cœur. Un jour, elle est venue en live. En DM. Sur le live, elle avait mis un truc du genre, il y a un colis devant ta porte. Attends, ça m'énerve, ça. Je lui dis, attends, tu veux pas donner mon adresse non plus? Non. J'ai plus jamais entendu parler de cette personne. Vert, c'est sûr. Ça peut pas être vert. C'est un Bravo Pack, les mecs. Prédiction en haut de l'écran, les amis. Utilisez votre argent. FBI, come here. Je crois que c'est FBI, open up. Le mime. J'ai fait un caprice. Je me suis acheté Yana Elite. Mec, tu t'es acheté Yana Elite. Et tu t'abonnes pas au campus de la Salty Academy. Tu ne soutiens pas la création de contenu sur le jeu. Yana Elite, mon gars. Putain, la vache. Tu donnes plus de thunes à Ubi, mais nous, que dalle. Bravo, bravo, belle mentalité. 6K sur bleu. Non, mais ça, c'est 100% violet Black Ice, les amis. Bon, déjà... 3, 2, 1. D'où est-ce que ça peut être vert? D'où est-ce qu'un Bravo Pack peut être vert? Regarde dans collection, tu verras, il y a plein de verts. Chimera pas trop en fait, hein. Vas-y, non, franchement, c'est inadmissible, quoi. C'est vraiment un truc d'enculé. Hein. Je pensais que tu pouvais pas avoir de verre, moi, dans ça. J'ai jamais eu de verre... Point d'exclamation VPN, Shanks. J'ai jamais eu de verre dans un Bravo Pack. J'ai jamais eu de verre dans un Bravo Pack. Genre, jamais de ma vie. Parfait, ce skin sur Villa et Theme Park.
TKT, promis, je te sub dès que je suis payé. Je retiens ça et je te donne 10 euros. Ok, on retiendra, Viorassi. Mais n'empêche que t'as pris Yana, quoi. Yana qui ont dû se faire masse de thunes sur la prédiction, là, non? Ouais, merci infiniment d'ailleurs à CyberGhost VPN de nous sponsoriser pour ce stream. Et l'intégralité du mois de décembre. Oui, oui, oui. Pour l'information VPN, tout ça. Il y a 84% de réduction en ce moment si vous vous abonnez. Dans la description, vous pouvez trouver le lien. Ou en faisant pour l'information VPN, tout simplement. Mais en revanche, je ne suis pas sûr qu'avec le point, ça marche. Bah ouais. Comme quoi, personne ne vérifie, quoi. Putain, mais... J'ai vraiment tout un tas de streamers, de surveillants incompétents, quoi. C'est ouf, hein. Les mecs, le point à la fin de 6-4, il est compris comme lien, hein. Et il y a marqué CyberGhost. Merci à CyberGhost. Vas-y, vous puez la merde, les mecs. Franchement, les surveillants, vous me faites honte parfois. Vous me faites honte. Vous me faites honte. CyberGhost, quoi. CyberGhost. Ouais, le patron de Renault, là. Eh ben, ouais. C'est honteux. Merci, on va regarder parce que merci à CyberGhost VPN de sponsoriser ce stream et la chaîne. Normalement, je pense qu'il y a un tréma, mais je ne suis pas sûr. Sur le i, sur ce mois de décembre. Aïe, aïe, aïe. Faut virer tout ça. Aïe, aïe, aïe. Carlos Ghost. Ouais, j'avais fait la blague du coup, c'est go. T'es en retard, poulet. Vous avez vu le truc sur lui ? Le documentaire là, sur sa fuite et tout. Incroyable. Incroyable. Sa fuite urinaire. Non. Non. Une fuite. Même s'il a changé d'un continent. Ouais, si elle est pas mal. Bon, on a perdu tous les jours de FIFA hein, sur cette blague. Hein. What? Bon, j'ai pas compris la blague. T'as compris, toi? Bah non, je suis con. Fuite d'huile, alors. Maupise. Secure the bombs. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Non, 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 non. Impact! Thanks. So... What? So... Reinforcing the floor! Calibrating air compression! Reloading! You want work armor? Maybe. You gotta come get it. Surveillance on bombs. Op 4 has it. They're all entering lobby. ADS up and running. You have been exposed. Loading new mag. Fuck you! Vas-y, mais ils font rien là. Faut que j'aille uriner. C'est horrible. J'arrive.
Faut que j'aille passer. J'arrive. Secure the area. Keep the bombs protected. La paume de la main, le haut de la main dans la poignée là, c'est horrible ça. Genre comme ça là, tu sais, mais dans la poignée hyper fort. Je peux plus jouer les mecs. Faites des dents. Vas-y, je sais même pas où le mettre lui là, ça me fait chier en fait. Deploying shield. Deploying shield. Setting the welcome. Loading new magazine. Les gens qui jouent avec Lyon et Dokkaebi, ça devrait être... Moi, je les bannirais. Oula, il y a eu un gros one-tap. Moi, je les banne. Ça, c'est de la toxicité. Ça, c'est de la toxicité. Ça, c'est des disruptives, ça. Ça, c'est des gens déshonorables. One main. Merde, j'aurais dû lui dire. J'ai pu... I'm knifing. Yeah, you can push, Doc. Ping 3. Mission failed. All friendlies were eliminated. C'est une plateforme qui permet de rediriger un lien raccourci vers un lien plus long et qui permet entre autres de connaître le nombre de clics ou d'où ils proviennent, très utilisé pour les partenariats. Hein ? Ouais. Ouais, il can push, j'ai pas ma faute là, hein, je suis désolé, hein. Je lui ping le truc, je lui fais tout, je lui pré-match, voilà quoi. Je sais pas quoi jouer, ça me fait chier. J'ai rien sur ce compte, c'est relou ça. Je parlais de Bitly, ah oui. Yes, I got it. Pas plutôt supprimer à cause du mot qui concerne la troisième jambe et le bot prend ça pour... Protect the bomb. Non, mais non, c'est l'inverse. Attends, c'est une plateforme américaine. Ici, si tu dis Niger, tu vois, et que tu parles du pays,
Ah bah alors là mon gars, tes jours sont comptés hein, sur la plateforme. Là c'est finito pour toi. Hein. Ta carrière, ta vie, t'es banni de Windows derrière. C'est normal, c'est américain. En revanche, si tu dis bit, sachant que ça veut dire mordre. A little bit pour BIT, donc un petit peu, ou byte, BITE, bon bah t'auras jamais de problème quoi. Ah c'est les Américains qui décident. Franchement si en anglais Adolf Hitler ça voulait dire couscous, il serait en mode ouais bah nous on voit pas le problème. Ah bah d'accord. Ah bah, c'est cool. Hop le fake. Trop smart mec. Setup il pue la merde les mecs. On se parle pas et tout, on va se faire défoncer. Ils sont nuls. Et on est plus nuls qu'eux. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Claude? Ah ouais d'accord, toi t'es complètement sur mon live en plus là. Ah non. Ah non, on l'entend juste pas. On a fait combien d'heures de Rainbow Six là? Oh là là, 3 heures de Rainbow Six. Oh là là, c'est beaucoup là. La game d'avant était cool, il y avait du niveau. Mais alors ce genre de game, putain qu'est-ce que ça m'énerve. Oh là 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 là, les grosses disparités de niveau là. Qu'est-ce que c'est chiant. Ça parle pas et tout. Alors c'était vraiment cool. Ready or not, 3h OMG. Hein. Ouais, je sais. C'est compliqué. Ready or not. C'est toi qui as envoyé le truc Game Viewer là. Yayo, il est dedans. Op 4, last operator standing. Attends, je vais regarder. Mais j'aimerais bien Ready or not, mais j'ai peur. Ce jeu est vraiment trop cool. Hein. C'est vraiment mon jeu préféré de 2022. Merci Tom, t'es à mon spoulet. Merci de passer. N'oubliez pas de faire point d'exclamation. Charme les amis. Bah ça répond pas des masses dans le WhatsApp Game Viewer hein. Oh, les mecs sont tous décédés je pense hein. Je pense qu'ils sont morts. Personne n'a Ready or not. Ah, faut y aller à 3 ou 4. Ah et puis non faut y aller à 4. J'y vais avec Quentin. Oh là là. Vivement qu'on prenne les events là en janvier, là. Ça va être cool. 10 seconds to go. On va voir sur Discord. Vas-y toi. Ah je vais voir sur Discord. Ah j'ai eu peur. Oh, c'est juste... Aïe aïe aïe, je te jure. Ah bah Zofia carrément. Zéro kill, on est bien. On est vraiment bueno là.
On a vraiment pas envie de droner. Plus personne n'a envie de droner dans le jeu. C'est ouf. Hein. Plus personne n'a envie de droner, plus personne n'a envie d'ouvrir les trappes. Ah si. Try to come server. Dis-moi pas que c'est un maudit drone. Non. On va rien faire ici. He's at the top, guys. We need to go. Down to one friendly. Oh non, non, non. Pourquoi être descendu avec moi, putain de toto des îles là. La merde. Il y a marqué hold to pick up. Je passe dessus et j'ai en appuyant sur F. Moi dans ma tête c'est bon, je suis déjà parti quoi. Je suis déjà F machin, je le plante à la porte, je mets le truc, bam, je me retourne, bla. Derrière le round il est terminé quoi. Et comment tu peux t'adapter à des... Ah vas-y. T'imagines ça, c'est la finale de la Six Invitational. Ah oh, il va y arriver. Ah non, il a raté le diffuse en fait. Ah le nul. Lol, il a perdu 1 million d'euros. Bravo. C'est vraiment n'importe quoi. Putain de jeu de merde. Pour le charme, il y a juste à lier le compte. Point d'exclamation charme. Tout est expliqué les mecs. We need to locate okay. A bomb. Soyez pas stupide, ok. Let's go, I want to win. Top floor. Yeah. Coucou 6-4, tu m'as manqué. Moi, c'est ton sub qui m'a manqué, Docteur Bedo. Donc, dépêche-toi, ok? Ouais. Insertion in 5 seconds. Let's go, hein? You must locate and defuse a bomb. Wait, I'm droning. Open space is clear. You can go, bro. Knock, you can go. The cafeteria is clear. Vas-y, il y va avec le diffuse. You get the diffuse knock, hein? Follow. Switching to shock. Impact.
bomb. Activating Selma sequence. The diffuser is now secured. Putain de Toto, les mecs. We need to open this! Rien faire. Down to one friendly. Oh non, j'ai loupé. Vas-y, mais on sait que t'es derrière la bombe depuis tout à l'heure, tu t'es fait reste par ton pote qui est débile. That's right, man, GG. Yeah. Stay mad, bro. Yeah, I'm game, so dude. Mad. Yeah. I know. I'm very mad. Yeah, have a good day, man. Yeah, have a good day too. Stop eating. You're fat. Yeah, enjoy your band, dude. Really? Why? Why? Enjoy your band. You're fat. Putain, j'avoue, on est sur les serveurs US. Je suis con, moi. C'est la pire des insultes. Merde. J'avais complètement oublié. J'ai dit gros. J'ai dit la pire des insultes aux États-Unis. Merci infiniment, IRACOVZI, nouvel étudiant du campus, t'es un monstre. Merci Baizou pour les 2 ans de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. T'es un monstre. Merci Black Kirkus pour les 5 droits de scolarité offerts à 5 personnes différentes pour Tonton, El Cholo, Pixel, GBB, Chech, 03FR. Mec, à chaque fois ce pseudo. Non, je fais pas du tout d'airsoft. GBB, Chech, 03FR. Merci iPlatine aussi pour les 4 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres, les amis. Vraiment, envoyez plein de GG, plein de cœur pour Black Kirkus, le monstre. Oh la main, l'autre il est parti au quart de tour. Merci Black. Attends, je regarde si les gens ont répondu. Je sens que je vais retomber sur le mec. Et je vais lui dire Are you still fat? Hello? Yeah, man, my ears. Bro, what the hell? Are you good, man? My ears. Can you beat me, Papa? Oh. What's the problem with your ears? You hurt my ears, you're kind of loud. Well, yes! Decrease the volume, you fucking fuck! No! If you need to decrease your volume! I can't decrease my volume! You. No, you must decrease! If you are the one that allowed, you turn yourself down! Problem's solved! I can't put Nobody it down! Else on the other one. Yes, you can! No, I can't! Yes, you fucking can! You fucking dumbass! All that believes in you, you can do it. How? That's racist. All that can fucking do it, you can. Do you need a guide to Islam? C'est quoi son accent? On dirait un Irakien. On pensait que c'est vraiment son accent ou qu'il le fake. Petit fils de pute. Not really, like, is my mouth too loud? It's a little better.
Do you need to get to his room? I didn't change it, you fucking fuck! I didn't even change it! I got you! Okay, okay. Do you have the guy to his room? Is he hot, Joe? What? The guy to his room. My jihad Joe. Oh my god, your American microphone. The, like, your internet is bad, bro. Oh, really? Yeah. See, I've got to, like. Oh no, my computer had a virus. Do it again. Holy moly, my eardrums. You know who believes you? I believe you. My computer is whack. Can you fix? Oh, fuck. Ah, c'est un fake. Il fake? Ok. Oh, je vais prendre tous les bans de la Terre, là. Yep, your computer has a problem. Really? Yeah, I see. It's a very big problem. Did it just fall? 5 seconds to go. Did you have a computer for a store? Yeah, BRB. Oh. A few moments later. What? You know who got your food? All I did! C'est pas possible. C'est pour ça qu'il lag peut-être. Yeah, non, Peter, that's too. Oh my god, you're so good! Go by door. There's another one! Ping one! Greensters. Oh la la, les games passent de n'importe bro, quoi. Bro, what the hell? Little office. At the hatch behind you guys. Oh the man, go ahead. Yeah, no. Friendly mission success. You're welcome. Thank you. Did Ona give you no call up? Because they were very good. Drone to locate a bomb. Oh, le PC, il est sur une charpente. Vas-y, banque deux fois d'affilée, c'est trop. Oh, ça me casse les couilles, ce jeu de merde. Je suis chaud, je bosse dès que j'ai fini, je serai là. Genre, t'as un taf. Oh, it's a New Year Eve. Huh? You say New Year's Eve? Yeah. What? Your mission is to locate and defuse a bomb.
I said Eve. Eve. Oh. I'm French, oh. Bro. Oh. Are you friend? French, I'm are French. Are you part of NATO? Yeah, of course I'm part of NATO. Okay, okay. Good, good. Sa chaise gaming qui se démonte. I will touch my two men. Ah, one female though. I wanna get touched by two men. Oh yeah. Oh. I would love that. Really? It would remind me of my childhood. Huh? Was it your daddy and your uncle? Yeah. Or was it your auntie who should have been an uncle? Changing I am an We can't laugh about this. Wake up! Wake up! Deploying shock drone. You have located a bomb. Claymore deployed. Rotate this way. That's alibi. Operator standing. Deploying Claymore. Where is he? Going upstairs. We'll kill him. He's fat. Diffuser is active. Protected at all costs. Clunk, 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 clunk. Deploying Selma. You downed him, you downed him, you downed him. You downed him. No. He's up now. No, he downed them. He heard the record crack. Friendly mission success. Loud. Like your mic, Clueless. My mic is not loud! Oh. My bad. It's okay. You are a very loud person. Very, very. Yeah, loud. I am. He's a loud person. Oh, I see. Especially when I'm with your mom and I f- all night long. Thanks, man. I like hearing a ringing sound in my ears now. Thank you very much. You're welcome. On est en finale, on t'aime, Stix, à poil. Ouais, moi aussi je t'aime, mais prends un sub quand même. Tu t'appelles Ronaldo en plus, donc arrête de faker. Ouais, on est en finale parce que je suis français avant tout. Ouais, Ronaldo là, et toutes les pépés de Messi là. Hein, tu vas voir, ça va faire bizarre là. Eux, ils ont tout gagné. Dimanche, ils vont être en mode moi, je suis pas vraiment qui supportait de toute façon. Ouais, de toute façon, on n'aurait jamais pu gagner par rapport au génie de Messi. Il a joué tout seul. J'espère sincèrement qu'ils vont lui péter le genou. Tu vois, vraiment. Moi, je pourrais pas être entraîneur, en sélectionneur d'équipe de France. Je pourrais pas être en mode, tu vois, je pense que tactiquement, il faudrait qu'on me passe sur le côté pour essayer de compenser et tout. Je lui dirais, vous voyez le genou, hein. Je leur ferai de la biologie, tu vois. Ça, c'est un genou. Allez, ça, c'est les maths. Ça, c'est un angle à 45 degrés. Clac. Et voilà. Plus de Messi, plus de problème, plus d'Argentine. Au revoir, ciao. Voilà, c'est tout. Bon, voilà ce que je ferai.
Oh, nique ta mère, l'autre, tu couches pile au bon timing là. Blue. In the blue or on yeah, in the blue, in the blue. In the blue stairs. Top blue he was. Come on. Hide, order set. C'est vraiment trop bien, zéro. Why can't we be friends? He's very weak. He jumped. He's healing. Red. Oh my god. J'ai fait un kill, putain la vache. Ça, c'est quand j'en ai marre. Le DF a fait ça contre Ronaldo en 2016, ça a pas fonctionné. Bon, ils lui ont pas pété la jambe. Ah oui, c'est vrai. Putain, 2016. J'avais totalement oublié ça. 2016. Il vient de s'en rappeler lui aussi. On va prendre ça. On va faire des kills. Comment tu vas, Six? Yo, Mabou, comment ça va? Bah écoute, ça va, on s'amuse. Yo, j'ai fixé en ça, poulet. Loading mag! Loading mag! Why can't we be friends? Me fait chier dans ce game. Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 has located a bomb. Capitao. C'est quoi le Capitao? Il aura jamais dû tirer parce que s'il y a un Capitao, ça veut dire qu'il va arriver là. Un Mountain plus Capitao, please on me. Hey. I need help. Mountain. I need help. Help. Server. Oh my god. Oh my god. Go ahead. No, prefer. 100 euros 2016, on gagne pas en 2018. Pour moi, ça nous a servi. 100 euros 2016, on gagne pas en 2018. Pour moi, ça nous a servi. Hashtag analyse. Ok, Footix. Ok, ok. Vas-y, on pouvait pas la terminer vite fait. Attendez, je suis en train d'envoyer des messages pour jouer à Ready or Not là, mais ça répond pas, putain. J'ai un truc de Game Viewer. Go sur Ron, bande de fils de pute. Yayo, t'as fini à quelle heure là? Ton boulot de merde à faire des thumbnails pour Sky Rose là. Il te paye pas assez en plus, mec. Hein. Reviens au campus. Op 4, last stop standing. J'ai une vraie question. Vous avez un taf qui paye grave bien? Flemme de tradier. LVDM. What? Un taf qui paye bien? En ce moment, un taf qui paye bien, développeur. Franchement, développeur, c'est un peu le truc cool, quoi. Ah, tout le monde devrait être développeur. Il va y avoir toujours une demande accrue de développeurs, ok? C'est une obligation absolue. Tu peux bosser de chez toi. Tu te rends compte, développeur, quoi. Développeur, t'as besoin d'un PC à 300 euros. La rentabilité du truc. Tu dev, ouais, mais là je suis parti une semaine aux Bahamas. Voilà quoi. Là je suis un mois en Thaïlande, mais je continue de bosser. Dev.
dev. Au début, tu te fais un peu... Tu fais un an de... Un an, franchement. Au bout d'un an, déjà, tu peux déjà trouver un taf. Faut aimer, c'est tout. Dev web app mobile. Ouais, carrément, ouais. Ah bah, Oni et Gaming, ça paye pas. Ouais. Justement, c'est Oni... Oni qui est mon meilleur pote qui est dans le chat, qui vient de passer de... qui a fait une reconversion de routier à développeur. I don't want to die, okay? I need your help. Man, you're all alone, soldier. Have fun. No, I need your help. There we are again. Vas-y, ping-moi, toi. Mountain is waiting for you. No. Move your butt! I'm here! Check the cam! Which one, buddy, huh? I know Sophia left blue, she might flank. Reloading! One stairs. Last operator standing. Loading, new map! Op 4 eliminated. Mission successful. Avec Rook, tout est plus simple quand on s'active le mode kill, hein. Hop là. C'est bien un petit MP5 là. Petit machin. Alors attends. Oui, j'arrive pas. Si je me concentre un round, après je perds le film. Mais non, pour être développeur, il faut savoir développer. Hein. C'est vrai que maintenant que tu le dis... Putain, il a raison, le con, j'y avais pas pensé. Pour être développeur, il faut savoir développer. Merci, docteur Bédo. Tire à loin. Merci, Jamie. Waouh. Développeur, mais la photo argentique, c'est fini depuis... Oh non, Yonim, non, elle est nulle celle-là. MDR et un cerveau. Il y a des formations. Non, un cerveau, non. Non, non. Je connais des développeurs, ils sont un peu con des bites. Hein. Non. D'ailleurs, je pense que développeur, il faut être un peu con comme une bite. Hein. Vraiment. Faut pas avoir un gros quotient intellectuel pour être développeur. Non. Ça, c'est un truc qu'ils veulent te faire croire, t'sais. Non. Ça c'est pour leur bio twin, leur bio Tinder. Tu fais quoi? Je suis développeur full stack. Les mecs ils avaient 6 de moyenne en maths toute leur vie. Si. Ah même plus. Ah ouais non. Le développeur il est con comme une asperge. Non franchement. Non vous pouvez le faire. One jump is already in the server. Shield is out.
Vas-y, mais lui, il se fout de ma gueule en revanche. Ah ouais! Ça va, tu t'amuses bien sur le live, putain de fils de pute! Il y a zéro drone, zéro ping jaune. Hein? Quoi? Il s'est arrêté où? Vas-y, Moi je dis Wallach. Non, 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 jamais de Wallach là-dessus. Là, il y a zéro Wallach. Là, c'est 100% streamac. Il y a 4 secondes de délai avec une information qui lui est donnée par quelqu'un et tu vois le cerveau qui réagit. Hein? Quoi? En face de la fenêtre, en face de la fenêtre! Voilà ce qui s'est passé. Reloading! Fils de pute. Il a juste cassé la barricade, cake. Il a pas cassé. Non, 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 non. T'as les gars, arrêtez quand je l'ai là, ça m'énerve. Quand je me dis 100%, il y a 100%. Chaque fois, je vous ai prouvé que j'avais raison. Nom de Dieu. Et 80%, c'est 80%. C'est 100%. Du coup, je vais mettre une cam comme ça. Bref, on s'en fout. Développeur. Pour être dev, faut savoir, faut croire. Attends, attends. Pour être dev, faut savoir faire croire que tu bosses. Et faire que copier, quelques copier-coller. Ah ouais, comme dans l'administration, quoi. Comme dans beaucoup de boulots, au final. Hein. Comme tous les boulots où c'est pas toi le patron. Ouais, faut faire croire que tu bosses, quoi. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ah, c'est quand même cool, hein. Les CDI. Merci, Viggle, pour le host, poulet. Merci, mon poulet, vraiment. J'espère que ça s'est bien passé. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Abonnez-vous. C'est quoi les cœurs? Avec marqué 232. Avec après ton pseudo, frère. Nickel, à part 5-6 bugs MDR. 5-6 bugs de quoi, 5-6 bugs de quoi? Ah, ça fait bizarre, hein, les mecs, quand vous voyez pas. Hein. Ouais. Quand je mets la caméra et que vous pouvez pas voir. 232 followers sur ma chaîne. Ah, c'est bien, je peux voir le nombre de followers. Ah ouais, c'est pas mal, ça me permet de dire en fonction de... Est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est pas important? Have a nice day, guys, I love you, but subscribe to my channel, we were on, you were pranked. Haha! Huh? Let's get the front neck. I swear to God. I took my meds, did you? My Twitch. Yeah, yeah, go to Twitch and take my charm. I need money. You guys have money. You wish. Yeah, no, take my charm. It's a beautiful charm. Blue and yellow. Didn't tell me where your Twitch is, buddy. 6 quarter, 400 viewers. You can't miss it. I'm the fucking best. Have a nice day. Le mec, je vais crier dans les... Oh. Bah, comment récupérer de la thune? Voilà, je fais comme ça. One more salty fan. Oh my god. Ok, alors attends, Picarator, t'as quel âge? 19 ans? Attends, mais t'as 19 ans, t'es au début de ta vie, c'est normal. C'est normal. Poulet, de 19 à 25, c'est normal que tu te fasses un peu sodomiser, quoi. Ouais, c'est normal, tu te fais exploiter. En fait, le capitalisme, c'est une grande échelle de Ponzi, en fait. Tu vois? Et pendant lesquelles, en fait, les plus vieux enculent les plus jeunes. Mais oui, si t'y penses bien. Regarde bien. Réfléchis. Donc c'est normal, au début tu te fais un peu sodomiser, mais c'est parce que tu fais partie du système au final. Tu vas être stagiaire, tu vas te faire bien sodomiser, après tu vas devenir gnagnagnin, tu vas te faire un petit peu sodomiser. Smiga, oh my god, hello best friend. Oh non, fuck, yeah. What the... Oh my god, like Outback, Villa, Emerald and Theme. For real? No, let's... Yeah, they're going to ban... No, let's ban Outback. They're going to ban Emerald. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Yeah, I'm smart. C'est triste ça. Donc, de 19 à 25 ans, tu voilà. C'est normal, tu te fais un peu sodome. Ok? Ok? Voilà. Et après, c'est normal, tu vas voir, tu vois, ça va arriver, machin, tu vas vouloir plus de trucs, plus de machin, bidule. Vers 28, 29, 30 ans, là, tu vas commencer à attendre des mots comme prêt immobilier, enfant, truc, impôt, tu vois, machin. Ça va commencer à bien commencer à peser, tu vois, sur ton truc. Du coup, là, c'est là que tu vas switcher, tu vois. Avant, tu voulais voter Mélenchon, maintenant, là, t'es en mode, ouais, pff, Mélenchon, la flemme, en fait, maintenant que j'ai de la thune, qu'ils aient tous se fait reculer. T'inquiète. Ça s'appelle devenir un vieux con. C'est ok.
T'auras une maison en lotissement. C'est OK. Et là, t'es développeur. Tu passes de junior. Junior, ça veut dire tu te fais sodomiser. À senior. Et là, bah c'est parti. Et là, c'est parti. Tac, tac, tac. Et là, tu commences à faire de la thune. Donc, Picarator, si t'as 19 ans, lance-toi dans le dev. N'importe. Mobile, web app, en avant. Parce que t'as tout un tas de trous du cul, en plus, qui veulent tous faire leur petite start-up. Gnagnagna. Mais oui, ils raquent, en fait. Et les grosses boîtes, elles raquent aussi. Senior, c'est genre minimum 4K par mois. Ouais, net. Minimum. Et puis après, si t'as envie en plus de prendre un petit peu d'ampleur, tu vois, mais plus horizontalement que verticalement, bam, tu commences à taper les projets. Et là, tu deviens chef de projet. T'apprends à faire des tableaux un peu bullshit, là, machin, avec un minimum d'autorité, là, à dire ah, Didier, lundi, machin, toi tu fais ça là, toi tu fais ça là, et toi tu fais ça là. Bravo, on y va. C'était bien ce que t'avais fait. Toi, il faudra qu'on travaille un petit peu là-dessus. Tes axes d'amélioration. Tout ça pour dire t'es une grosse merde, mais on peut plus le dire, tu vois, donc il va lui dire. Tes axes d'amélioration, c'est ça, ça et ça. Voilà. Et lui, en revanche, il prend, 1000 euros au jour. Ouais, c'est un bon chef de projet. On s'en fout, il y a marqué chef de projet. Chef de projet. I need you to ram your head into a wall. What? Not you. Ok. Talking to my breast friend. Oh, I need you to ram head into a wall. Attends, on peut pas renforcer avec... Je connais rien en développement, donc je dois faire des études ou t'apprends ça tout seul? Hein, tu peux apprendre ça tout seul? Eh, aujourd'hui, t'as besoin de faire des études pour rien du tout. Honnêtement, les gens vont m'insulter pour ça, quoi. Allez, à part des trucs du genre astronaute, médecin, avec des grosses spécialités, etc. Mais dans tous les cas, tu pourrais très bien apprendre tout seul. Tu peux apprendre tout seul. T'as internet à ta disposition. Donc, de toute façon, allez, faire des études, ce n'est que le fait que des gens te disent des choses que tu peux trouver sur internet. T'as internet. Nous, on avait des CDI, quoi. Des CDI. Si, pour le diplôme à la fin. Mais ouais, mais même, franchement. Même aujourd'hui, une personne qui veut un peu autodidacte, je le disais avec un ton ironique, bien évidemment, mais une personne qui est un peu autodidacte, qui se démerde, qui sur son temps libre dit « J'ai développé ça et ça, et j'aimerais que vous me testiez en tant que... » Franchement, prenez-moi un stagiaire pendant 3 semaines ou 3 mois sur un petit projet, vous me donnez un projet et derrière vous verrez, ok? Derrière on commence à discuter, bam c'est bon. Le vrai problème, le diplôme c'est juste pour la première fois au final. Lui il est du père. Tiens, je t'envoie ça, mec. Oh merde. Avec l'informatique, ça. Wow, amazing. C'est dégueulasse. Thank you. You're welcome. One tap. Le problème, c'est que s'il y a un problème qui touche à la sécurité lors d'une enquête, la première chose qu'on demande, c'est que qu'est-ce qui prouve que la personne a des compétences et que le diplôme joue un rôle. Ouais, d'accord. T'aimes bien Plaine d'Emeraude? Ouais, ça va. Hein. Elle me dérange pas plus que ça, hein, disons. Mais... Bon, d'accord, mais si c'est un truc de sécurité, quoi, si tu travailles dans le système bancaire, etc., toutes les boîtes n'ont pas besoin d'avoir un truc en sécurité, tu vois, où on va venir taper sur les doigts si ça commence à être... s'il commence à y avoir des... Non, franchement, non. Non. Des études. Je pense que non. Honnêtement, tu fais 1 an de formation, maintenant, à la limite. 1 an de formation...
Tu te renseignes sur tes CPF là, les machins là. Tu prends un an de formation. Tu fais du dev. T'as besoin d'un ordinateur portable, tu peux être chez toi. Après faut aimer hein, moi je pourrais jamais hein. Faut aimer hein. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Call reinforcements nearly done. Increase surveillance on bomb. Op 4 has a diffuser. Where's this fellow? You can stop worrying about grenades now. AV is deployed and ready to go. AV is deployed and ready to go. Ready to clear. They were like to the right. Cover me. Reload it. Be advised, Op 4 has located a bomb. Good job. I know. Very good job. Ouais, en tant que membre de la communauté Ubisoft, je m'engage à jouer avec paix, en restant calme et en étant toujours courtois. Jouer avec respect, en aidant les autres joueurs à se sentir acceptés. Jouer avec fair play, sans jamais tricher. C'est le code de bonne conduite. Il faut le redire avec une petite voix cathédrale, quoi. On dirait une secte, le truc. Jouer avec paix, en restant calme et en étant toujours courtois. Jouer avec respect, en aidant les joueurs à se sentir acceptés. Jouer avec fair play, sans jamais tricher. Ubisoft. Verset 4-2. Et en tant qu'éditeur, vous vous engagez à quoi, vous ? Hein ? Hein ? Merci Moonster pour les 14 mois. Ah nous, rien ! Ah non, rien. Et GFX, il est encore là, développeur de jeu, du coup, t'es riche ou pas ?
Est-ce qu'il est riche ou pas? J'ai fait de la merde, j'aurais pas dû renforcer comme ça. GFX, il est parti où pensez les mecs? Here. I have 75. Le diffuse. Ils sont nuls. I got the diffuse! Olé molé. Holy moly! Calm down. Nope. Vous pensez qu'il devrait nerf un peu Flores ou pas du tout? Pas du tout. La pompe diff, ouais, j'avoue. Non, DSL, je voulais dire buff. Bonjour, monsieur le pro viseur. Comment ça va, Nain? Bon, Piracator, tu nous dois au moins 10 subs là-dessus. On t'a aidé, mec. Ça se trouve, tu te rends compte quand tu repasseras dans 20 ans, là, et tu seras multimillionnaire. Ok? D'accord? Et tu diras, putain, tout s'est joué le jour où je suis passé sur le live de 6-4 qui m'a lu l'avenir. Par contre, Flores aimerait bien se faire nerf. We need to locate a bomb. Pourquoi je continue de lire ce chat? Pourquoi t'as lu? Bah parce que c'est dans mon chat en fait. T'es VIP en fait. J'essaie de faire confiance quoi. Je pensais pas que t'as nous faire des bonnes blagues bouffes là. J'ai pas compris traduction. Laisse tomber, Docteur B2. T'inquiète pas, ça va bien se passer. 10 seconds to vous avez insertion. Pas compris? Ouais, mais c'est normal, ça c'est votre génération. C'est votre génération, vous savez plus ce que c'est les valeurs de la France, ok? Les valeurs de la France, c'est avant tout la beaufrie, ok? On va changer le truc sur les mairies. Liberté, égalité. Bien, bien beauf quand même. Ça c'est doux. Ça c'est doux. Jean, t'es là. Je regarde s'il n'y a pas un trèfle. Imaginez le trèfle, il est planqué dans un truc comme ça. Vous vous rendez compte que jamais on trouvera ce easter egg? Et ça se trouve, ça donne un skill de ouf. Les boomers, c'est les beaufs? Non, pas tous. Pas tous. Why can't we be friend? One of the rotate. Ping one. Bah, GG!
GG, GG. Rebonsoir Six, c'est quoi le truc du trèfle rapido SVP? Non mais on en a parlé sur Discord les amis. Il y a 30 trèfles à trouver sur Emerald. Il y en a eu 28 qui ont été trouvés. On a créé un truc, une section dédicacée, dédiée à ça, ok? Et vous en avez rien à foutre, ok? Visiblement les gens... Voilà. Les gens n'ont rien à foutre. Parce qu'il y avait une valeur dans le gaming qui existait dans le début des années 2000. Ok? Et ça s'appelait le chômage. C'était des gens qui étaient dévoués, qui passaient leur vie, qui se séparaient de leurs amis, qui en avaient rien à foutre de leur santé, qui lâchaient les gosses, ok ? Qui nourrissaient plus le chat, d'accord ? Qui se lavaient plus. Ils jouaient à World of Warcraft 14 heures par jour, collés à la chaise. Et ça, ça se perd. Ça, on n'en voit plus. Plus. C'est dingue. Si, il y a Mary. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Mary. Non, mais des vrais bons gros geeks, quoi, tu vois. Ça existe plus, honnêtement. Vous n'êtes pas d'accord? Avant, il y avait un truc, tu vois. Il y avait vraiment un truc. Attends, je vais prendre un bidule, là. Un pack. Moi, je perpétue la tradition. Ah, bah voilà. Franchement, si Twitch avait été inventé dans les années 2000, tous les streamers seraient en sub-bâton tout le temps. Le sub-bâton n'existerait pas, en fait. Le sub-bâton serait l'origine du truc, quoi. C'est bah non, tant que je vais jamais me coucher, en fait. Je vais jamais me coucher. Ça aurait été un sub-bâton inversé, je pense. Il faudrait payer pour que les mecs aillent se coucher. Non, vraiment, vraiment. Ah, désolé. Ça aurait été un slip-bâton. Go prédit, il me reste 2.3k, j'ai all-in. Ah ouais, gros all-in. Allez, let's go. Prédiction, elle est en haut de l'écran, les amis. C'est clair qu'un sub-bâton, c'est juste une LAN des années 2000. On est d'accord. Ouais. Il n'y a plus ce truc là, tu vois, des bonnes LAN où tu dormais avec le duvet sous la table, avec ton PC de 40 kilos que tu te trimballais à l'autre bout de la France, tout ça pour faire une LAN de merde, pour jouer 4 games, et si t'étais champion, tu gagnais un sandwich jambon fromage. Yo Manu, 378 points, je all-in aussi, je suis un punk. Ah ouais, carrément. Oui, tu n'as pas faux, mais je me suis laissé engraisser, donc c'est forcément mort, je pense. Je me suis dit que je vais me remettre en forme et c'est réglé. Mais ils veulent que je retrouve un taf début janvier. Ils veulent que je trouve un taf début janvier. Quoi, tes parents, Piracator ? Picarator ? T'inquiète, on est tous passés par là. On est tous passés par une période de notre vie où... on a pris du poids. Et après, on s'est bouché le cul. Moi, les parents. Mais t'as quoi comme background à l'école? T'as quoi comme diplôme? Attention, prédiction en haut de l'écran, il vous reste 5 secondes. Violet. Vas-y, c'est la journée de la merde. Oh là 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 là, franchement. Ouais, ouais, ouais. Et le code de conduite d'Ubisoft, il est où là? On s'engage à pas vous prendre pour des cons. Voilà, je suis désolé. Règle numéro 4. Tu jouais à 16h au départ de la LAN, t'es déjà fracasse qui dort, mais deux qui n'arrivent pas à avoir les jeux installés. À 8h du matin, le lendemain, toujours là, à manger des merguez froides dans du putain de pain mou avec de la mayo, la vie, la vraie, quoi. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. T'arrivais le vendredi soir et tout avec ton GPS Garmin ou TomTom pourri, là, que t'avais mis à jour la veille sur ta carte SD. Il y avait 200 MO à télécharger, ce qui t'a pris environ 16 jours.
T'avais installé tous les jeux, t'avais reboot et reformaté 3 fois Windows 98 pour avoir juste 3 drivers et le jeu auquel tu vas jouer. Ouais, ouais, tu bouffais des pépitos et des... Ah, quand je m'en souviens, tu bouffais du pépito, quoi. Tout le week-end à bouffer des pépitos. Oh. Vers 23h, tu vois, t'avais les mecs qui étaient déjà en mode e-sport, en mode « Ouais, les gars, faut aller se coucher. » Les autres étaient en train de mater du porno dans le fond de la salle. Aïe, 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 aïe. En train de télécharger tous les pornos de l'année et tout. Oh, putain. T'étais en train de licher comme un porc. Oh, c'était tellement bon. Le hey, lendemain... mon corps de fif. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vas-y, hey, Luke Skywalker, t'arrêtes là. Hey, hey. Hey. Hey, quoi? Hey, toi. Oh non, c'est pas encore toi, là. Yeah. Vas-y, mais tu me streamac, fils d'up. Yeah. Bah non, mais ça se fait pas, je te mute. On streamac pas. Ah non, ça, on streamac pas, les mecs. Et encore, je suis gentil. Si vous êtes sur le live, vous faites gaffe à ne pas danser avec moi. Parce que c'est trop facile après les... Ah non, j'ai pas fait exprès. Bah, je peux pas y croire, désolé. Aïe. Venez, on s'organise une méga LAN. Une méga LAN. Putain, mais moi, l'excitation des LAN, genre un mois avant, j'étais en mode oh, vivement, 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 vivement. J'étais trop content, quoi. C'est mieux 4 tiers ou 16 dixièmes? Les deux. Les deux se jouent. Ah, je vais prendre un rook parce que c'est sympa. C'est cool le rook là. Oh, gros skin. Pareil, c'est Noël pour moi, les LAN. Ah, c'était pas. Ah, ouais, 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 grave. Hein. Putain, la vache. Ouais, c'était la seule fois où en plus ça va toucher, tu vois, tu vas pouvoir jouer à ton jeu et c'est pas en mode total random, quoi. Secure the area, keep the bombs protected. Donc c'était ton main avant dans le temps de la poly... Ouais, pendant longtemps quand même. Pendant au moins un an après. 2016, 2017, 2018, ouais, c'était un peu mon main. Non, le P90, jamais. J'ai joué, je joue depuis Solis là. Parce qu'il vaut le coup maintenant, c'est tout. Yeah.
last operator standing. A bomb has been located by Op 4. Wall secured! A few moments later. Oh là là, oh, ça part en couille là. Rook, c'est le main de Mary. Ouais, enfin bon, ça a toujours été son main depuis le début du jeu là sur le MP5 là. C'est pour toi ça. Je finis dans 25 minutes. Donc tu devrais avoir fini, petit enculé, parce qu'à chaque fois tu nous dis 25 minutes, mais ça fait plus de 25 minutes. À chaque fois c'est la même chose, mon gars. Tu fais des thumbnails pour un joueur de fucking Call of Duty. Ça devrait te prendre 3 minutes. Fais travailler ton intelligence artificielle, là. Salut, c'est Skyrod. C'est toujours les mêmes trucs en plus, là. Nouveau TikTok, allez, cliquez sur le lien, les amis. Et abonnez-vous, ce serait cool. C'est vraiment sympa. Après, vous êtes pas très sympa. Vous. Ah. Si vous êtes pas sympa. Vous savez, c'est que tu streams avec d'autres streamers racistes des fois. Non, c'est les fils de putain. Petit clip, on les envoie. Non, jamais. Non, j'aime bien être tout seul. C'est une plaisanterie, hein. C'est une plaisanterie. Deploy to nitro. Hop. Hop. Vas-y, j'avais envie de tenter un truc. Genre, je suis sûr, il y a moyen de caler un beau C4 qui rebondit bien. Vas-y, mais on se fait chier, mec. Vous êtes tellement lent, on se fait chier. On a même... On vient pour pipe, quoi. On a même pas envie de regarder les câbles tellement c'est chiant. Ça, c'est chiant. Je suis déjà follow ton TikTok. Toi, t'as un vrai. Merci, Maniac. Ah, je peux même pas jouer solis en plus. Soul. Bon, normalement, attends, mais j'ai pas installé la mage en revanche, les amis. La dernière mise à jour apparemment de Ready or Not est exceptionnelle. Bon bah je vais pas habiter à Annecy. Trop cher. Trop cher. Ni à Saint-Omer. Putain la vache, on avait oublié ça. Yayo, on t'attend. Oh là là.
On avait raté la plus belle, hein. C'est vrai que ça donne envie, hein. L'autre qui nous disait, franchement, Saint-Omer, c'est sympa. Oui, oui, oui. Bah, doit pas y avoir beaucoup de vieux, hein, si vous les traitez comme ça. Hein. Le banc public. C'est le truc sur l'eau, là-bas. Ils sont tous morts, ouais. Jamais ils vont de l'autre côté. Terminé. C'est pas con, n'empêche. Qu'est-ce que je voulais ? Steam. Ah, Steam. Voilà. Sérieux, Saint-Omer, c'est sympa. Non, Jericho, arrête. Il me faut un endroit comme ça, loin de toute civilisation. Pourquoi un endroit comme ça, loin de toute civilisation ? Eux, je les enlève parce qu'ils nous ont même pas donné le truc là. Combien il fait le jeu ? What the fuck ? 87 gigas. Ah non, il reste 97. Il reste 87 sur mon. Allez, je comprends pas le. Quelqu'un m'explique. C'est pas très joli Steam, mais c'est quand même efficace quoi. Il y a les trucs là où il faut quoi. La match de Ready or Not est vraiment cool. Ah ouais ? Putain, mais ouais, mais est-ce qu'ils ont augmenté les. Est-ce qu'ils ont augmenté. Putain, mais je sais pas ça. Waouh, 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 waouh. En revanche, la match de Ready or Not. Ça me fait laguer là. Pourquoi télécharger l'accès audio ? Putain, j'ai 3 FPS. Enfin. Oh là là, c'est dégueulasse. Il n'y a pas que Nantes dans la vie. Non, c'est vrai. Putain, c'est horrible. Je suis à 50%. Désolé pour le lag. Ça m'a piqué les yeux, je suis désolé. Ça le crame si on le met, ça. Je voulais dire un endroit plus calme. Je vis en ville, j'arrive à saturation. Les gens, la foule tous les jours, je m'énerve avec tout le monde. Désolé, on peut pas vraiment stream. C'est coupé. N'oubliez pas ça, les amis. Ne tirez pas toutes vos balles. Ne soyez pas stupides. Oh, c'est horrible, les FPS, là. Right here, fake. Got it.
15 seconds left. One drum side. Friendly, last operator standing. Last one drum. Pushing behind you. You have been spotted by hostiles. Fall back. Op 4 good eliminated. Shit. Mission successful. Même en 3 FPS, hein. Ah, ça installe. What? Non mais stop toi. Ah bah voilà, c'est installé. Ça va vite 15 gigas. Ah, c'était 15 gigas du coup. La 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 la. Oula, j'ai quoi là-dessus? Oula! Yo, Pierre Atlas. We need to locate a bomb. Pearl Atlas, pardon. Bon alors les amis, vous avez commandé quoi à Noël? Vous avez commandé quoi? De l'aim. Des Lego Star Wars. Ok. J'aimerais bien remettre à des trucs manuels un peu moi aussi quoi. Genre les Lego. 10 seconds before insertion. Ou le modélisme. 5 seconds. Une culasse neuve. Une culasse de quoi? Un airsoft. Une réplique quoi. Ou les mécanos. Un panier pour le Kleps. Franchement plus ça va, plus... bah je vous savais hein, mais bon. J'ai envie de me prendre ce putain de malinois, j'en peux plus. J'ai tellement peur. Je peux pas mentir, j'ai tellement peur. Moi je fais pas les choses à moitié quoi. Un animal vivant... Ah c'est mieux déjà que ce soit vivant mais... Ah putain de sa mère. Peur de le manger. Souvent les animaux, chez moi, ça me donne faim un peu. Oh putain! Il a fait la décale de l'année, lui. Prends un alligator dans ce cas. Un alligator? Ouais, mais c'est chaud dans un parc. Ça doit être catégorie 1, ça. Mais ça doit être trop la classe d'avoir un chien, d'avoir un animal un peu qui impose, tu vois. Un alligator qui bouffe les petits chiens, là. Oh, bah, je suis désolé, madame. Ah ouais, mais il était si appétissant. Mon bichon! Ouais, ouais, mais bon, ouais. On dirait un gros dégât, ceci. Il va pas se prendre le Capcom, quand même. Non. Un alligator en laisse. Prends des poules. Poules, tu... Bah non, mais poules, mec. Non. Franchement, poules, c'est cool, hein. Poules, j'en aurais si j'avais un grand jardin, quoi. Grand, grand jardin. Bien sûr. Franchement, vraiment. Petit poulailler et tout. Ça bouffe tout, c'est trop cool. Ça te file des œufs. Bon, après, moi, les œufs, voilà quoi. C'est trop bien. Tout le monde devrait avoir des poules. Tous les gens qui ont du terrain devraient avoir des poules, honnêtement. Mais bon, après, les poules. C'est chaud, tu sais. Un coq de combat. Oh là 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 là. À gauche, y'en a un ? On l'a entendu tout à l'heure. Là, ça push. Hein. Il est derrière le drum, moi, je dis. Ah non. Ah, mais il est sur le live. 15 seconds left. Let's go! 10 seconds. Oh là là, le petit cancel, là. Call of Duty, ce truc. 5 seconds. Four last operators standing. You've run out of time. Ah, le fils d'app. T'as une pièce que tu peux
lui faire une chambre pour le chien. Ouais, ouais, il a même un appartement d'amis pour le chien, ouais. Une pièce où tu peux lui faire une chambre. Non. Non. Une pièce où je peux lui faire une chambre. Moi, j'ai envie de prendre un serpent, mais c'est complexe. J'y pensais ce matin. Serpent, c'est vraiment cool. C'est vraiment l'animal le plus simple à entretenir au monde. Mais le problème, c'est que c'est débile, quoi. Serpent, il en a rien à foutre de ta gueule. Genre, zéro absolu, ok ? Il n'y a pas de complicité avec un serpent, quoi. Mais au moins, tu te barres une semaine. Merde, j'ai oublié de nourrir le serpent. C'est pas grave. Il s'en fout. Il t'en tiendra pas rigueur. Il peut tenir une semaine tranquille, voire même trois semaines sans bouffer, de toute façon, le truc. Genre, vraiment. Petite vipère, là. Petite couleuvre. Franchement, ça coûte rien, ça mange rien. Voilà, quoi. C'est hyper simple à entretenir. En fait, c'est comme les poissons. Ce qui est cher, c'est l'aquarium ou le terrarium, en l'occurrence, quoi. Mais serpent, c'est chouette. C'est vraiment très joli. À chaque fois, j'y pense. C'est plus parce que tu kiffes l'aspect du terrarium, au final. Le serpent en lui-même. Après, tu peux prendre des plus gros, tu vois, genre des pitons, des trucs comme ça, tu vois. Watch your runouts. Non, en soi, il n'y a pas de complicité avec un serpent, quoi. C'est ça qui est relou. Comme, c'est vraiment... C'est comme un poisson, quoi. C'est vraiment comme un poisson. Moi, par ça, j'ai un hippopotame. L'air vivant, le plus dangereux du monde. Fils de pute, les hippopotames. C'est vraiment un truc de fils de pute. Hein. C'est vraiment le pire des animaux, lui. Hein. Après, je préfère faire un câlin à mon chat qu'à un serpent sans émotion. C'est des animaux statues. Ouais, moi, je préfère le serpent que le chat. J'aime pas les chats. Sorry. I love you. You should go chez Carglass. Hein. Because Carglass répare, Carglass remplace. T'as un petit problème de poil. De quoi? Pourquoi? Give me a second. Alright, I'm waiting. C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a des génériques qui sont personnalisés d'avoir une connexion avec leur poisson. Des génériques carrément, putain, lâche. Carglass répare! Carglass remplace! Thank you. Four last operator standing. Boosting adrenaline. I'm planting an email. My tribe be below. That's a soulless play. Warlock, I can see him! Mission successful. 6-4 pour toi, c'est quoi le pire prénom? Carl. Carl. K-A-R-L.
Bro, unmute, j'ai payé ton sub. J'ai start une game, j'ai même pas fait exprès de snipe. Doucement, Warso, tu vas te faire mute, ban, là. Attention. Take it easy. Chèvre, must have. Si j'avais un grand terrain, chèvre... Et attendez, le pire, franchement, je vais peut-être passer pour un gros débile. C'est possible. Mais hier, donc, je suis allé voir pour... J'ai regardé la SPA, ok? J'ai regardé la SPA. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, à la limite, pourquoi un élevage, etc., etc., tu vois. Et... Drone has located a bomb. Je regarde partout, je regarde les chiens, etc. Et puis, en fait... Comme un con, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je sais que ça peut paraître débile, mais j'imaginais pas du tout qu'il pouvait y avoir d'autres animaux. Comme j'y suis jamais allé dans une SPA, je suis jamais allé dans un refuge, et je suis jamais allé sur le site web, je sais pas, dans mon inconscient, pour moi c'était chien-chat, quoi. Et en fait, il y a toute une liste, et je me dis, putain, mais c'est vrai qu'on fait tout un... On en parle beaucoup, du fait qu'il y ait beaucoup d'abandon de chiens, et je me suis dit, par définition, de chat aussi, de chat perdu, etc. Mais il y a des chevaux. Et je me disais, putain, des chevaux à la SPA. C'est trop cool, n'empêche. Ah, c'est cool. Non, que s'ils sont là, c'est pas cool. Mais je me disais, putain, si j'avais un grand terrain, j'aurais un cheval, quoi. Dans ma tête, je me disais, si j'ai pas de cheval, c'est bien parce que, bon, ça coûte cher, quoi. Wesh, incroyable. Ferme ta gueule, Karl, là. Ah non, ok, d'accord, pardon, je croyais que... we'll blow it up in a second, give me a second. C4 from kitchen. Faut s'en occuper. Ça chie partout, le truc relou. Ça chie partout. Un cheval? Ouais, mais pas dans un appartement. Je t'ai pas dit dans ton appartement, Marco. Hein. Tu vois? Je vais essayer d'avoir un cheval dans un grand champ. À un endroit où t'es pas obligé de l'avoir dans un jardin, tu vois? Il part du chien, MDR. Et ça chie partout un chien. Et tu le sors le chien, mec. Mais jamais de la vie je veux ton chat de merde, là, franchement. On se caresse et il me caresse et c'est trop cool. Toi t'as plus de balles, je te le dis déjà. Oh merde, il lui reste des balles. Ah. Ah, j'ai mal compté. Oula. Y'a pas un pet de recoil, lui. Sur son dust machin. Il a zéro recoil, lui. Vas-y, y'a encore spoil en face là. Il a une maîtrise absolue parfaite de son Jaeger. Je suis fatigué. Une noix super chienne de garde. Non mais moi, si j'avais un grand terrain, j'aurais plein d'animaux. Hein. J'aurais des chèvres, parce que j'ai pas du tout envie de passer la tondeuse. Déjà, je me renseignerais sur un truc qui passe la tondeuse à ma place, tu vois. Chèvres, elles sont contentes, on est contentes, win-win. Pff, moi, ça me va, tu vois. Des trucs nains, là, pas des trucs qui te chargent comme des fils d'up, là. Non. Un cheval, en mode tranquille, il va se promener et tout. Mais tu vois, pas que je monte, quoi, mais un cheval qui se promène, quoi. Surtout un cheval de la SPA, à mon avis, il est mieux chez WAM. Il aurait un grand terrain. Ouais, j'aurais ça. Des poules avec un poulailler. Tu veux quoi comme chien 6? Un malinois. Mec, des chèvres, t'as plus de gazon. Ah, prends le cheval. Non, il y a vraiment des chèvres. Non. J'ai même vu une société qui s'est spécialisée là-dedans sur le fait de sur des entreprises qui ont des grosses superficies de terrain
En fait, ils font plus venir des paysagistes. Ils laissent en gros les chefs pendant une semaine et ils les emmènent à un autre endroit. Non, non, non. Oui, effectivement, ça dépend, les chèvres, les boucles, les machins, tu vois, je suis pas un expert. Mais elles bouffent pas toutes les racines. Il y en a qui coupent court, tu vois. Je crois que c'est les moutons qui sont pas cool. Prends des lamas pour tondre. Ouais, ça doit moins se trouver à la SPA quand même, le lama. Non, mais bon. Pourquoi tu prends pas un coq? Pourquoi tu cries? Can you get a claymore over here, please? Yep. No, you don't need it. Look, you're good. No, over here, 5 ping. Oh fuck, I'm far. I think Zoom has one. Vas-y, putain, il m'a fait trop peur, je l'ai entendu, lui! Aïe, 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 cette game toute pétée, là. Et l'autre, bro, I didn't fucking hit him at all. What the hell? Il est prêt, l'autre, ou quoi? Je suis en salle d'attente. Ah! Let's go! Vous voulez switcher avec moi, les amis? Mais il est 21h, il est trop tard. Mais mec, il est 21h, tu sais bien qu'il y a une réunion de jeudi soir le 22h. Allez tous vous faire enculer. Eh, 21h, je peux pas jouer 40 minutes. Hein. Bonjour. Bonjour. Je vous ai envoyé un message, mais que vous pouvez entendre du coup en live. Allez, on va l'écouter. Mais non, mais il est 21h01, les mecs. À 22h, j'ai la réunion. Mais y'a jamais personne à la réunion. Mais si, mais non, c'est juste le mois de décembre. Hein. Ok, bon, allez vous faire enculer. La prochaine fois, plus tôt. Je mets personne à la rue là. On va le virer lui. T'as déjà eu un chien? Oui, 16. J'avais un élevage de husky. Hein. À Paris. Je faisais du chien de traîneau. Sur la ligne 13. Merci PlayStay Live pour les 23 mois de frais de scolarité. Moi, elle est casse-couille cette game là. Elle est nulle. Oh putain. Tu viens de supprimer le message. Attention Marco, hein, t'as dû dire de la merde. Secure the area, keep the bombs protected. Prends des cochons, ça bouffe même des os, donc tu risques rien. Des cochons, mec, tu mets des menaces, ça va pas la tête ou quoi? Des cochons quoi, seriously. Il faut une porcherie pour des cochons. Non, non, cheval, chèvre, poule. Et encore, le cheval, c'est extra, tu vois. Le cheval, il sert à rien, hein, en soi. Ouais, ok, ouais. Ouais, je suis un champion. Fais gaffe la prochaine fois. Target located. Come get your heals. I'm coming! I lost 5 HP! Capcan's about to take it all. No. You should go this way. This way. I wonder if I can reset it. Oh, that's rude.
Oh, I reset it. Cool. Si, pour te déplacer bientôt. À cheval. I'm dry. Le problème du cheval, après, même si tu le chopes à la SPA, déjà, faut qu'il soit monté, faut qu'il soit montable, tu vois. Après, la selle et tout, tout l'équipement, ça doit coûter une blinde, non? Prends une calèche. Bah oui, normal, eh, mon gars, t'as vu, une calèche avec le système dessus et tout, ça doit coûter au moins 3000 euros. Ça va, il a le joli charme de la SA. Bon, il a pris 10 minutes de ban, mais... Tu nous fais visiter Nantes. Tu te reconvertis. Oh là là. Oh, live Twitch. Salut les gars. Aujourd'hui, on va découvrir Nantes. Tu sais, genre, vous avez jamais vu un documentaire sur la ville, t'sais. Non, non, tu peux pas faire ça. Faut forcément partir au Japon. Le streamer doit faire un live IRL. Au Japon, ou autrement, il a jamais réussi sa vie de stream. À la SPA, t'as sûrement des chevaux à la retraite ou mal en point. Non, vraiment, j'ai regardé hier, il y avait des chevaux qui étaient magnifiques. Alors, t'en avais qui faisaient un peu la gueule, tu vois, des chevaux de trait, des trucs comme ça. Vraiment, hein. Vraiment. Il y avait des chevaux qui étaient magnifiques, quoi. Et tu te disais, il est pas vieux et tout. Puis même un cheval en fin de vie, tu vois. J'ai même pensé à prendre un malinois qui avait 11 ans. Je me disais, putain, le pauvre. Et le truc, après, j'ai hyper peur. Le truc, s'il a mal été dressé et tout. Ouais, ça se trouve, tu sais pas, tu sais. Imagine, tu te chopes un chien. 10 seconds to insertion. Un truc horrible. Insertion in 5 seconds. Un chien, tu penses que sous toute apparence, il est normal? Ah, ça me rappelle, hein. C'est dans American Dad. Le chien raciste. Oh putain. Et après, va expliquer ça, tu sais. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dressé, hein. Ouais, enfin. Clairement, il choisit qui est mort. Oui, mais je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai blessé, qui l'ai dressé. Pas d'autre, monsieur. Pauvre cheval, c'est des animaux majestueux, on les exploite. Oh, le fait de monter dessus là. On les exploite. J'ai pas pris un shield. Carl, t'es sérieux, quoi? Moi, je suis pour l'Argentine. Lapsus non révélateur. Je suis pour un 4-0 de la France, mon gars. Blessure de Messi. Et il peut plus jamais faire de foot de sa vie. Ah ah!
quoi, c'est quoi ce truc? Non mais j'adore l'Argentine, j'y suis allé, c'est un peuple magnifique, ok? C'est des gens absolument généreux, etc. Mais au foot, c'est des fils de pute. GG boys, I love you. Sauve-toi, papa, tu putes du cul. Laisse Messi en dehors de ça. Non, ça fromage. Yeah, subscribe to my channel, I'm on Twitch right now. Non, franchement. Non. Ils ont le vice. Ils ont le vice quand ils jouent les Argentins. C'est vraiment des fils d'up. C'est vraiment des fils d'up. Je sais pas, c'est depuis Maradona ça. Mes parents avaient un chien qui n'aimait pas les gens de couleur. Non, mais sérieusement. On n'avait rien fait pourtant, on l'a découvert sur le coup. Cali, personne n'y croit. Moi, c'était une blague. Hein. Moi, je suis dans mon personnage. La tavane, personne n'y croit. C'était un berger allemand. MDR, ta réputation. Eh ouais, MDR, je suis disruptive. T'as un problème, Karl? Tu t'appelles Karl, ok? Donc calme-toi. Moi, je vais ouvrir une maison pour les animaux en fin de vie qu'ils finissent mieux que dans une cellule. Bon. Ça va être l'arche de Noé, quoi. Ça coûte un bras de les nourrir. Hein. Prendre avec toi. Warsaw, arrête là, t'es relou, frérot. Putain, l'autre il prend un ban là, tout le monde prend des bans. Putain, t'es casse-couille, on te dit tu reviens et tu. Voilà quoi. Merde, quelqu'un peut débloquer Irigovski qui a rien demandé à personne. Oh la collatérale. Mec, tu tombes avec moi, t'inquiète, prends le ban, passe à autre chose. T'inquiète, ça va bien se passer. Oh my god. Pourquoi je suis banni? Pour rien, j'ai misclic, genre vraiment. Mon chat, c'est simple, il me coûte plus ou moins 15 euros par jour en tout. Ton chat? Il te coûte 15 euros par jour? Non, 15 euros par semaine, il devrait te coûter ton chat, mec. 15 euros par jour. Mais il n'y a aucun chat au monde qui vit dans un endroit où il thème park. Putain, la vache. Alors, je vais Alt F4 cette game. Il est quelle heure? 21h12. Bon, celle-là, je la finis pas. J'ai trois chats. Non, mais même un malinois, moi, on m'a dit que c'était environ 60, entre 60 et 80 euros par mois en moyenne. Vas-y, 100 euros par mois si tu veux. Toi, t'es en train de me dire que ton chat, il te coûte 300 euros par mois. Trois fois plus qu'un malinois. C'est un chat que t'as ou. Non? Il vient d'Afrique, il fait 90 kilos et il a une grande crête ou pas? Ça s'appelle un lion, ça. J'avoue, tu lui donnes quoi à manger, mec? Du jambon de Bayonne? Du bœuf de Kobe? J'ai un chat qui s'est fait faucher par une voiture et c'était du 10% de chance de survie. L'opération a coûté plus de 800 euros. Je te l'aurais fait à moins cher, crack. Hein. Ah ouais? Je te l'aurais fait à moins cher, hein, l'opération. Franchement, ça aurait été vite vu. Il aurait pas souffert. Hein. Ah, je t'aurais tout fait, la totale. Anesthésie, tout. Tout. Ah ouais. Ah, quand t'as été éduqué à la campagne, tu sais faire. Ah ouais, ils sont à la campagne, on est tous un peu anesthésistes. Hein. C'est horrible. Oh my god, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mon malinois, il est bien gâté, c'est 120 euros. Mais entre 60 et 80, c'est largement suffisant. Ouais, voilà. Ouais. T'as un malinois, Evil, toi?
Ouais, t'as dû m'envoyer les photos, sûrement. MDR, il a survécu du coup. Il est bien esquinté. Hein. Plus de queue et boîte, mais il est là. Il t'a coûté 800 balles. Il est bien esquinté. Il a plus de queue. Il boite, mais il est là. C'est Jack Sparrow le truc. 10 seconds to go. Il a une pipe ou pas? A bomb must be located and defused. Je me serais acheté une PS5. Oh, moi je serais passé à côté sur la route. C'est votre chat? Non? Ou quoi? Ah non! Ah non, non! Nope! Non, 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 connais pas! Mais vous êtes venu avec tout à l'heure! Oui, mais non! On va mourir. Oh, je vais la live cette game. C'est la game de trop, les amis. Oh là 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 là. Ça prend grim et tout. Le chat, c'est un transformer. Ouais, j'avoue. Le truc, c'est Optimus Prime, quoi. Oh, je suis mort. Non ? Ok. Drone activated. Drone activated. Ready in concussion. The diffuser is no longer in your possession. Vas-y, ça passait là. J'ai pas envie de la finir. Allez, je me casse. Histoire d'être bien disruptive là. Bon bah, on jouera à Ready or Not demain les amis. Il est 21h16, faut que j'y aille si je veux manger avant la réunion. Pauvre Minou, hein. Il a pas le foot pour t'échapper ce coup-ci. Kali, tu me sembles être une nana qui a un peu le syndrome de la sauveuse. Le syndrome de l'infirmière. Je le sens, Kali. Je le sens. Je sens que t'es nana qui a le syndrome de l'infirmière. Tu vas avoir 660 chiens et chats chez toi avant la fin de ta vie. Quatre sparrows. Tu veux savoir quoi le pire? Il passe littéralement 20 heures sur 24 chez le voisin. Tu lui as payé 800 balles. Son opération. Pour le sauver. Le truc, il a plus de queue. Il boite. Le truc, c'est un dildo. Et il est jamais chez Watt. Bon investissement. Il rentre juste pour grailler et il se casse. Bon, j'ai peut-être exagéré un peu, mais facile 10 euros par jour minimum. Je lui donne des herbes à chat, de la valériane, des bouffes de marque. Jouets toutes les semaines, litière, soins, lingettes, nettoyage, etc. Machin, je généralise ce qu'il me coûte. Plus les rappels, etc. Oui, pas loin de 300 à 350 euros par mois pour ce gros matou. Et t'es pas sub? Bah ça fait de toi un sacré fils de pute. Hein? Voilà. Allez, on termine là-dessus. Une belle parole. Aïe, aïe, aïe. Je dépense 300. Je dépense sans compter. Mon chat, c'est tout et tout. Franchement. Ouais, 399, ça fait chier quand même. Alright, ladies and gentlemen. Je plaisante, bien sûr. Ok, comme d'hab. Bonne soirée tout le monde. Merci infiniment d'avoir été là. Vous êtes des monstres, vous le savez. Hein, bien évidemment, demain, on est vendredi. Voilà, donc live comme d'habitude en milieu d'après-midi. Et puis, c'est à peu près tout. N'oubliez pas de faire point d'exclamation. Discord. C'est là que la fête continue. Point d'exclamation YT. Allez, vous abonner à la chaîne YouTube. Please, s'il vous plaît.
pour l'exclamation Twitter si vous voulez les news du campus de la Salty Academy. TikTok si vous avez TikTok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Facebook si vous êtes vieux. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà à peu près tout. Bonne soirée tout le monde. Je disparais de vos écrans. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Ciao tout le monde. J'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière, bien évidemment. À savoir les donateurs. Les cheerers. Alors que ça lag, on sait pas pourquoi. Les hosts, les membres du Salty Fan Club, les nouveaux et les anciens étudiants du campus de la Salty Academy. In fine, toutes les personnes qui font que le campus de la Salty Academy ira to the fucking top. On se retrouve demain. En milieu d'après-midi. Et d'ici là, ladies and gentlemen, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que certes nous sommes salty, oui, mais pas que.